proposée dans le cadre d'Effet Transition. Je me présente, je suis Jeanne Cloutier, je suis une citoyenne de Laval, du quartier Laval-des-Rapides, et je serai votre hôte pour cette activité. Avec moi, Marianne Perrault, qui est cachée présentement, m'assistera tout au long pour le volet des questions à la fin de l'activité. Avant de passer à l'activité elle-même et de vous présenter nos invités, Laval en transition est un mouvement citoyen qui est né d'une volonté commune d'unir nos forces pour diminuer notre empreinte écologique, transformer positivement notre communauté et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident nos actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la participation, le plaisir, la démocratie, la communauté, le respect mutuel, l'imagination et l'audace. Inspiré par ces valeurs, Laval en transition désire rendre hommage aux peuples autochtones qui, bien avant l'établissement des colons européens, étaient présents sur les terres où nous sommes rassemblés. Nous désirons souligner que ces terres font partie du territoire traditionnel non cédé des Ganiegaaga, les Mohawks, qu'elles ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations. J'en profite pour vous remercier de prendre part à cet événement qui est Effet Transition. Si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous avez à cœur d'entreprendre ou de pousser plus loin vos actions pour la lutte au changement climatique et pour la transition sociale et écologique, que ce soit par de simples gestes que nous pouvons faire individuellement ou par des actions conjointes que nous pouvons faire ensemble collectivement. Effet Transition compte de nombreux partenaires et je tiens à les remercier pour leur participation. Merci à nos partenaires leaders de la transition, soit la Ville de Laval et les Desjardins Caisse d'économie solidaire. Merci à nos partenaires à la webdiffusion Cinequinox qui propulse la plateforme regardezmoi.ca. Finalement, Effet Transition est possible grâce au soutien du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci également à tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur jus de cerveau pour rendre cet événement possible. Aussi, un merci spécial aux élus et aux amis des citoyens ayant contribué à aider à la mise en place d'Effet Transition. C'est un événement par et pour les citoyens. Une liste plus exhaustive de tous les partenaires et amis est disponible sur le site effettransition.ca pour étancher votre curiosité. Nous en arrivons au déroulement de l'activité. Naturellement, pour s'assurer du bon déroulement de cette activité virtuelle, voici quelques informations importantes. Cette activité est enregistrée et sera accessible sur la page regardezmoi.ca des archives d'Effet Transition. Cet accès est réservé aux détenteurs de passeports d'Effet Transition jusqu'au 12 juin 2021. À tout moment durant l'activité, vous êtes invité à inscrire vos questions et commentaires dans la zone de discussion, disponible sur la plateforme regardezmoi.ca. Vous pourrez également y contacter Marianne si vous avez des pépins techniques. Vous aurez aussi besoin d'un papier et d'un crayon puisqu'il y aura une petite activité interactive au menu. Nous répondrons en rafale aux questions à la fin de l'activité. Sachez cependant que les questions posées ne le seront pas sur une base du premier arrivé, premier servi. Nous tenterons de poser les questions qui n'auront pas trouvé de réponse dans le cadre des discussions et qui seront les plus populaires dans le chat. Marianne sera votre voix. Alors, c'est le moyen que nous avons trouvé pour vous offrir une activité virtuelle qui soit la plus éco-responsable possible. Finalement, sachez qu'une vaste majorité des invités et conférenciers, ainsi que tous les animateurs participants à Effet Transition, le font à titre bénévole. C'est notre première édition. On ne sera peut-être pas parfait. D'ailleurs, je mange pas mal mes mots ce soir. Mais on essaye, on apprend et on garde le sourire. Nous vous demandons donc d'agir dans le respect et la bienveillance dans toutes vos interventions aujourd'hui. Amusons-nous pour la prochaine heure et demie qui débutera sur le thème avec une brève présentation de nos invités. Il y aura un quiz sur le thème de ce soir. Et il vous faudra donc votre papier et votre crayon. J'enchaînerai avec quelques questions préparées par mes collègues citoyens bénévoles à l'animation et pour terminer avec les questions des participants qui nous écoutent. Alors, bonjour, chers panélistes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce panel. Donc, merci d'être venu. Je vais commencer avec une petite introduction, puis après ça, on va apprendre à se connaître un peu plus. Quand on pense à Mets du respect dans ton bac, on pense à la chanson qui a été créée par le populaire groupe À la claire ensemble, afin de promouvoir une meilleure gestion du recyclage auprès des citoyens de la ville de Laval en 2019. On en a entendu parler. C'était une campagne de sensibilisation originale qui nous a donné un verre d'oreille amusant. Aujourd'hui, nous irons voir ce qu'il se passe au-delà du simple tri que les citoyens doivent faire à la maison
en allant comprendre comment ça se passe quand nous disons adieu à notre bac. Où s'en va-t-il? Que se passe-t-il? Mais avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai envie d'entendre mes intervenants sur leur vision d'une ville, d'une ville et des citoyens qui mettent du respect dans leur bac. J'aimerais savoir quel rôle jouent-ils pour arriver à cette vision d'un monde meilleur. Tout d'abord, mon premier intervenant, il est représentant pour Tricentris, qui est une OBNL qui dessert aujourd'hui plus de 200 municipalités membres ou clients. C'est la plus importante organisation de tri au Québec. Chaque année, l'entreprise reçoit et trie et met en marché quelque 220 000 tonnes métriques de matières recyclables recueillies auprès de 2,2 millions de citoyens des Laurentides, de l'Outaouais, de la Montérégie, de la Naudière et de la Abitibi-Témiscamingue. Un bac sur trois est donc acheminé et traité dans leur centre de tri. Tricentris renforce également sa position d'incontournable dans la gestion des matières résiduelles au Québec en proposant une nouvelle approche dans la valorisation du verre recyclé avec son usine de micronisation. Très actif sur Facebook, Tricentris est la référence en matière de sensibilisation et d'information sur ce qui va dans le bac ou pas. On en a vu cette semaine. Nous avons ici présent Grégory Pratt, responsable des affaires publiques. Bonjour Grégory. Ben bonjour Janie, bonjour. Ça va bien? Ben oui, très bien, très bien. Je suis content d'être avec Jean-Michel et Elodie là, ce soir. Puis tous les gens qui vont avoir plein de belles questions, là, je pense qu'on va avoir une belle soirée. Oui, on a beaucoup de sujets ce soir. Fait qu'on va être on va aller rapidement à plusieurs sujets, mais d'abord, j'aimerais t'entendre parce que je sais que Tricentris est très présent sur les réseaux sociaux pour faire de la vulgarisation. Et pour mettre la table aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que Tricentris fait exactement? Bien, Tricentris, c'est plus qu'un centre de tri. Hein? Tantôt, tu l'as bien dit, là, même que tu as été étonné par le chiffre 220 000 tonnes métriques de matière par année, à chaque année. Donc oui, c'est énorme. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va être là pour les gens. Souvent, les spécialistes en environnement, ils se parlent entre eux puis ils pensent qu'ils ont raison, mais on oublie de demander aux citoyens, vous, est-ce que vous suivez toujours la parade? Ça va-tu? Est-ce que vous croyez encore à ça? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça donne? Donc, l'idée de la page Facebook, c'est justement de sensibiliser là, puis de vulgariser et surtout de répondre aux gens. Moi, j'ai fait une analyse un peu de ce qui se faisait au Québec, puis je trouvais qu'on diffusait beaucoup de messages, mais on établissait très peu de dialogue. C'est là souvent que la vérité, elle est entre ce qu'on pense, ce que l'autre pense, puis le monde entre les deux. Donc, on essaie d'être le pont entre la sensibilisation et s'assurer qu'en amont, les gens comprennent bien qu'ils ont le pouvoir de faire dérailler ou de faire réussir un système. Parce qu'en fait, les centres de tri, c'est la seule business au monde qui est jugée sur ses extraits, donc la qualité de ce qu'il va faire, sans savoir ce qu'il va recevoir ce matin. Imaginez-vous, là, vous partir une pizzeria, puis ce matin, vous allez recevoir une couche pleine, deux par quatre, puis un téléphone cellulaire. Ça va être dur de faire une pizzeria. Et Léon le caméléon? Et Léon le caméléon, qui était notre dernier gros hit, Paul Arcand a même parlé le vendredi. Il est revenu le lundi matin en nous reparlant de Léon le caméléon. Donc, on rappelle hein, qu'un caméléon, c'est un contenant, un emballage et un imprimé. Donc, il faut souvent répéter, hein, c'est la base. Mais oui, Léon le caméléon, on a déjà eu deux serpents. En tout cas, on a des trucs un peu farfelus. Mais rassurez-vous, 9 fois sur 10, le citoyen pose le bon geste. C'est rassurant et c'est encourageant. Puis je suis sûre que, bien, déjà sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a beaucoup de questions, mais on va en avoir, je pense, aussi ce soir. Je vais passer à mon deuxième intervenant qui travaille au cégep, au Collège Montmorency, qui est le seul cégep public de Laval. Le Collège Montmorency accueille plus de 8300 étudiants à l'enseignement régulier. Mais ce qui est moins connu du public, c'est qu'en plus de l'enseignement, le collège effectue aussi de la recherche scientifique. Le collège participe activement dans la société en proposant des projets de recherche qui serviront directement à des entreprises qui veulent s'améliorer sur le plan environnemental. Nous avons ici avec nous Jean-Michel Thomas, qui est technicien en travaux pratiques au département de biologie. Il participe actuellement à un projet de recherche sur l'optimisation du compostage. Alors, notre spécialiste du compostage, bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Très contente de te revoir parce qu'on s'est rencontrés avant.
Jean-Michel, le cégep, ça fait aussi de la recherche, c'est ça? Oui, ben, ça dépend beaucoup un peu. On fait beaucoup moins de recherche, évidemment, que les universités peuvent en faire. Ça va être de la recherche qui va être généralement uniquement de la recherche appliquée. Fait que c'est pour des problèmes précis. Très, très, très souvent, ça va être avec un partenariat avec des entreprises. Dans le cas de mon projet de recherche sur le compost, on parlait avec des entreprises. Une entreprise du Moulin, c'est une entreprise d'aménagement paysager. Ils ont une tonne de résidus de végétaux, de bois coupé, de feuilles, etc. Ça fait plein de matières végétales qu'on peut composter. Fait qu'on va essayer d'optimiser ça avec eux. Je pourrais en parler un peu plus tantôt, justement. Fait que justement, la recherche est un peu différente. Au sujet de Morancy, c'est encore un peu... émergent la recherche, je m'en fais juste un petit peu. Il y a des cégeps qui ont littéralement des centres de recherche très bien établis. Le plus gros, ce serait le cégep de Trois-Rivières, qui ont 3 centres de recherche, un sur les pâtes et papiers, un sur la métallurgie, un autre sur le multimédia, qui ont leur budget à ça. Nous autres, peut-être, ça se peut qu'il y ait un centre de recherche axé sur l'environnement. Il y a encore des discussions liées à ça, mais... On va voir, ça se peut qu'il y ait de quoi qui se développe un peu là-dessus. En ce moment, ça touche un peu plusieurs petits sujets qu'il va y avoir. Un qui est très populaire, qui a reçu des prix, c'est la Mouche Rose, une entreprise justement qui s'appelle la Mouche Rose, qui font de la lutte biologique. On combat des mouches qui vont s'attaquer aux champs de culture. Puis les mouches, justement, cette lutte biologique-là a été développée au cégep de Montmorency. Mais les produits de cette compagnie-là ont été développés par le cégep. Ça a reçu des prix beaucoup au Québec, un peu partout, là, à titre d'exemple, justement. Puis, est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais avec du moulin paysagiste exactement? Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est justement, on va prendre ces résidus de plantes et de végétaux qu'il va y avoir. On va prendre d'autres résidus alimentaires de compagnies qui ont justement des restes d'épicerie qui sont plus mangeables, qui sont plus utilisables, qu'il va y avoir. On va mélanger ça, puis on va essayer aussi avec différents amendements. Alors, j'aurai l'occasion tantôt de parler des différentes recettes de compost, parce que du compost, c'est comme une recette, c'est comme la cuisine, il y a différents ingrédients qu'il faut avoir, qu'on peut ajuster. Grégory Pratt parlait tantôt justement des intrants, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va recevoir. Avec le compost, on peut mieux un peu plus gérer, bien que quelques surprises à l'occasion qu'il va y avoir. Puis on va essayer de voir un peu d'autres variantes. Entre autres, on va regarder certains trucs supposément qui permettent d'avoir un compost un peu plus riche à la fin. On n'est pas encore certain de la qualité de tout ça. Il y a des études qui se sont faites qui disent « Ah, ça marche », mais la plupart de ces études-là sont faites par les industries qui vendent ces produits-là. Alors, on y va avec un œil encore sceptique qu'il va y avoir. Je peux les présenter rapidement. Un des produits, ce qu'on appelle, c'est de la zéolite. C'est une roche, une petite roche volcanique comme ça qui jouerait sur la chimie de comment notre compost va se dégrader, qui va permettre de garder plus d'éléments nutritifs. Donc, notre compost à la fin, semblerait-il, serait plus riche. On va regarder justement avec nous ce qu'on va avoir, est-ce qu'on est capable d'avoir un compost plus riche. Encore là, toujours, à quel coût? Est-ce que ça vaut la peine financièrement pour l'entreprise qui d'investir, d'avoir ces petites roches-là pour mettre dans leur compost? Non, ça ne vaut pas la peine. Un autre qu'on va essayer, c'est ce qu'on appelle du biochar. Ça revient un peu du charbon, mais c'est du charbon qui va être fait à partir justement des arbres coupés des entreprises du Moulin. Fait que du biochar, c'est du charbon qu'on fait en petite paillette comme ça. Encore là, qui va jouer beaucoup sur la chimie de notre compost, comment ça va jouer, notamment ça crée des espaces libres où il y a de l'oxygène qui peut être en gardé à l'intérieur de ça. Ça va permettre d'avoir un meilleur compost à la fin de notre compost soit mature, effectivement. Aussi, en plus de ça, on va tester avec différentes bactéries parce que le compost, c'est fait par des micro-organismes, des champignons, des bactéries. Nous-mêmes, on va rajouter une certaine quantité de bactéries à notre compost pour voir un peu si on peut voir un effet bénéfique là-dessus. Un peu comme des probiotiques frais pour nous, ça aide la digestion. Bien, lorsqu'on peut, il y a moyen d'aider la digestion du compost qu'il va y avoir. C'est un peu sur cet axe-là que nous, on fait notre recherche sur notre compost. On va tester différentes combinaisons d'amendements en plus des recettes de notre compost. Analyser ça au début, analyser ça à la fin, puis essayer de voir justement à quel point notre compost est de qualité, puis où est-ce que ça vaut la peine de faire avec les intrants qu'on a justement pour cette compagnie-là. Excellent. Merci, Jean-Michel. Alors, j'ai passé à ma troisième intervenante, et non la moindre. Elle représente le CRE, qui est le Conseil régional de l'environnement de Laval. C'est un organisme de charité reconnu comme entreprise d'économie sociale. Il a été fondé par des citoyens et des organismes environnementaux de la région. Sa mission est d'améliorer la qualité de l'environnement et de promouvoir le développement durable. Le CRE de Laval regroupe de façon volontaire tout individu ou organisme privé ou public voué à la protection de l'environnement et à la promotion des principes du développement durable.
Le CRE de Laval se préoccupe des dimensions sociales, environnementales et économiques afin d'assurer un développement qui réponde aux besoins présents sans priver les générations futures d'une qualité environnementale enviable. Nous avons ici avec nous Élodie Morandini, qui est la coordonnatrice du CRE et elle est aussi cofondatrice de l'Association québécoise Zéro déchet et du Festival Zéro déchet de Montréal. Bonjour Élodie. Bonjour. Très contente de te rencontrer. Élodie, j'ai donné un petit peu plus de détails sur le CRE parce qu'avec toi, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, à vos papiers et crayons, mes amis, puisqu'elle nous a préparé un petit quiz. Donc, pour tester un peu nos connaissances, puis c'est tout gentil, là, c'est pas grave si on se trompe. Ça va être l'occasion justement de ressortir moins niaiseux de ce petit panel. C'est ça. Le but, c'est simplement d'apprendre des choses. Exactement. Fait que je vais partager. En fait, non, on commence peut-être la première question. On n'a pas de visuel, donc. Non. La première question est d'ordre général, donc j'espère que tout le monde a son papier et son crayon. La première, donc, c'est en moyenne, quel est le pourcentage de matières recyclables qui se sont retrouvées dans nos poubelles? Alors, c'est une donnée de 2018, mais je pense qu'elle est relativement quand même d'actualité. Donc je redis, en moyenne, quel est le pourcentage de matières recyclables qui se sont retrouvées dans nos poubelles? Donc, le petit A, c'est 5%. 17%, 36% ou 54%. Je redis 5%, 17%, 36% ou 54%. Alors, dans nos poubelles. Bon, espérons que le chiffre ne sera pas trop haut. pour la suite du quiz, dans le fond, c'est un choix de réponse. Il faut déterminer à quel endroit vous metteriez chacun des éléments qu'on va mettre visuellement. Donc, ça peut être la poubelle, le compost, le recyclage ou le centre de dépôt, par exemple. Donc, voilà. Je vais partager mon écran. Ce ne sera pas bien. Il faut que je prenne la bonne souris. C'est ça. Donc, c'est ici. Donc, il y a une dizaine de matières résiduelles, donc il faut choisir le bon, comme Janie l'a dit, le bon endroit. Donc soit la poubelle, soit le bac de recyclage, soit le bac de compost, soit le centre de dépôt ou éco-centre. Donc le premier, c'est le carton de pizza. Voilà. Avec du reste de gras, de fromage, de... Comme on le voit. Un petit morceau de pepperoni dans le fond. Le deuxième, c'est la tasse de café avec son couvercle, donc... Moi, j'ai vu la réponse sur les réseaux sociaux de Tricentrice aujourd'hui. Exactement. Le troisième, c'est le Saran Wrap. Et il faut quand même le différencier du... En dessous, j'ai mis un emballage de fromage qui est aussi en plastique, mais qui a une petite différence, vous allez le voir. Donc, vous pouvez avoir deux réponses. Le quatrième, c'est l'aluminium. Donc, soit la feuille d'aluminium, soit la barquette. Le cinquième, c'est la brique de lait. Le sixième, c'est le bouchon en liège. Le septième, c'est les couverts en plastique. Le huitième, c'est la bombe d'aérosol vide. Le neuvième, alors c'est le papier mouchoir, donc plutôt le papier mouchoir utilisé. Mais j'ai mis une boîte de papier mouchoir pour symboliser. Et enfin, le dixième, c'est le stylo qui n'a plus d'encre et qui n'est pas rechargeable. Là, j'ai pas les citoyens, je ne peux pas les entendre, mais Jean-Michel et Grégory, est-ce que vous avez eu le temps d'écrire vos réponses? Oui, j'ai mes petites idées. Oui. Moi, il faudrait que je revise sur le site de Tricentrice. Alors, je vais arrêter le partage d'écran parce que, en fait, comment ça va se passer, c'est qu'on va répondre aux questions durant le panel. Donc, chers citoyens, vous avez mis vos essais. Et puis, on va voir tout au long du panel si vous avez les bonnes réponses. Donc, on va passer justement au volet recyclage de notre panel. Il est maintenant venu le temps d'entrer plus en détail dans les sujets qui nous préoccupent.
Que ce soit le recyclage, le compost ou la consigne, il y a souvent des détails qui nous échappent. Et nous avons les intervenants tout désignés pour nous aider à répondre à nos questions. Grégory, spécialiste du recyclage. Oh, est-ce qu'on est-ce qu'on peut répondre à la question numéro 1 de notre quiz? Est-ce que c'est vrai que la majorité du bac... Ben, en fait, la question, c'est pas si le bac est recyclé, mais la question était plus qu'est-ce qui se retrouve dans nos poubelles? Mais est-ce que la majorité de notre bac est réellement recyclé? Ça, j'aimerais ça que tu y répondes aussi. OK, bien, tu vois, Janie, il y a deux choses. Dis-toi que dans un premier temps, si quelqu'un s'achète une bouteille d'eau, bon, déjà, là, c'est le démon, là, parce qu'on ne devrait pas acheter une bouteille d'eau, mais mettons, OK? Il achète une bouteille d'eau et la lance dans la nature. Bon, c'est sûr qu'elle ne peut pas être recyclée, elle ne se rend pas au centre de tri. Mettons qu'il est moins démon, il la met dans la poubelle. Il ne peut pas non plus être recyclé parce qu'il ne se rend pas au centre de tri. Mais quand il est mis dans le bac, bien, la bouteille d'eau, elle est recyclée et recyclée localement. Donc, pour répondre à ta question, ce que je te dirais, c'est que pas mal 9 objets sur 10 là, recyclables là, qui vont dans le bac est vraiment recyclé. Okay. Fait que ça, c'est à peu près une statistique. Là, il y a eu ce qu'on appelle une pandémie mondiale. Ça, c'est une situation exceptionnelle. Et qui dit pandémie mondiale dit troubles mentaux. Et qui dit troubles mentaux dit accès à la paresse. Donc, c'est plus vraiment 9, c'est peut-être 8,2 sur 10. Parce que les gens sont un peu plus paresseux, ils mettent un petit peu moins de respect dans leur bac. Ma poubelle est pleine, on va mettre ça dans le bac. Bon, tu sais, il y a un peu de ça. Il faut le dire, il faut être transparent. Mais dites-vous que quand vous mettez une matière recyclable dans le bac, elle est vraiment recyclée. Non, elle n'est pas envoyée en Chine pour être brûlée. Non, elle ne se retrouve pas dans l'océan. Non, elle n'est pas enfouie. Elle est vraiment recyclée auprès d'entreprises du Québec. Ça, c'est la réalité et la vérité. Je sais, c'est étonnant. On entend rarement parler de ça. Mais c'est un peu ça. Et pour la réponse 1, je ne sais pas oui. Si j'en parle. Là, ben oui, c'est le moment. On dévoile. Ben, le chiffre, si tu veux le dire, Élodie, c'est quoi le chiffre? C'est 36 %. Bon, 36 %. C'est quand même triste. Ça veut donc dire qu'il y a grosso modo 30 % des gens qui choisissent de ne pas mettre ça dans le bac. Ils choisissent soit de l'abandonner dans la nature ou soit de le mettre dans la poubelle. Mais attention, moi, je ne veux pas jeter le blâme sur le citoyen. Quand je rouvre mon journal de Montréal puis que je vois que le recyclage est un échec puis que j'entends le gouvernement dire qu'il faut tout refaire le système parce que c'est un échec, puis quand j'entends un gars qui s'appelle Ferrandez qui répète à qui veut bien l'entendre que tout le recyclage est enfoui, que c'est un échec, bien, il y a des citoyens qui ont avalé ça. Mm. Donc, tu sais, dans le fond, plus tu vas encourager les gens, plus tu vas leur expliquer ce que ça devient puis qu'est-ce que ça donne de mettre du respect dans son bac, c'est quoi l'impact réel, notamment les portes ouvertes. On l'a fait beaucoup avec les portes ouvertes. On a eu, l'année passée, près de 1000 personnes qui sont venues visiter nos centres de tri. Ah, super! Ben, pas l'année passée, parce qu'il y a eu la pandémie, là, mais la dernière fois que c'est arrivé. Puis, juste pour faire une proportion, là, nos autres centres de tri, on parlait de 80-100 personnes. Fait que c'est... Oui, les gens viennent beaucoup voir ce qu'on fait. Puis ça, après ça, ils sont marqués à vie. Premièrement, il y a l'odeur qui marque à vie. Il y a le son qui marque à vie. Puis, il y a quand tu vois une couche pleine qui passe, tu fais « OK ». Quand je vois mon voisin faire ça, ça se peut qu'on ait une petite discussion ensemble. Donc, oui, il faut faire attention. Puis d'ailleurs, le chiffre là, qu'Élodie a donné, en fait, c'est une inversion du chiffre parce que le chiffre qui existe, c'est 60 quelques. Fait qu'on, par inversion, on a ramené le chiffre. Recyc-Québec a dit, ah, bien, c'est 30 quelques. Mais dans le fond, c'est qu'on dit qu'il y a 60. C'est combien, Élodie, excuse-moi, le chiffre? 36. Bon, bien, c'est 64 % de ce qui va dans le centre de tri. Donc, par déduction, il y en a une partie qui ne rentre pas dans le centre de tri, donc qui est jetée. C'est mais un là, peu ça. Puis l'autre point qui est intéressant, Janie, qu'il faut vraiment préciser, c'est que le rapport de 2018, comment c'est fait, c'est que tu prends les chiffres de 2015, de 2016, 2017, tu fais une moyenne, puis tu mets ça dans la colonne 2018. Donc, ça n'a rien à voir avec 2018. OK. Ça, personne ne le sait, mais c'est un point super important. Puis en ce moment, on est en train de prendre des décisions pour 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 basées sur le rapport de 2018. Je ne sais pas si vous le savez, mais le monde a changé. Je vais vous donner un exemple. On n'a jamais acheté autant de papier de toilette. Ben, résultat,
on n'a jamais autant recyclé de papier au Québec. C'est... Mm. Là, vous allez me dire, ah oui, mais c'est temporaire. Non, non, c'est pas temporaire. Mm. C'est vraiment des changements de comportement. Bon, on va peut-être se laquer sur le papier de toilette, mais on achète plus québécois. Donc, plus on achète québécois, plus on recycle au Québec. C'est un peu ça aussi. Si, par exemple, quelqu'un recycle les bouteilles d'eau puis fait un costume de bain au Québec, si vous achetez le costume de bain de la Chine, soyez pas étonné que votre bouteille d'eau se retrouve en Chine. Vous avez acheté chinois. Achetez québécois, puis ça va être recyclé au Québec. Le recyclage, là, c'est, ça débute à l'achat. Ça, on en parle. C'est le cycle au Québec, en fait. C'est tout le cycle au Québec et c'est le citoyen qui a le plus grand des pouvoirs. C'est rare, d'habitude, le citoyen chiale puis il dit qu'il n'a pas le pouvoir. Moi, je vous le dis, le citoyen, c'est lui qui a le plus grand des pouvoirs. Dans ce cas-ci, en tout cas, pour le recyclage, c'est vraiment là. Donc, c'est vraiment important d'apprendre aux gens à mettre du respect dans leur bac. Vous n'avez pas pensé à ouvrir comme les musées, vu que là, ça va être légal. Les centres de tri pourraient devenir des musées, puis ça serait la sortie à faire pour tous les citoyens. Ça serait un beau stretch, mais ça reste une usine. Et on n'a pas de cas de COVID chez Tricentris. Je touche du bois. Donc, on va maintenir ça comme ça. on va rester entre nous pour quelques semaines encore. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu justement ce qui se passe avec notre bac là, quand vous le recevez à Tricentris? Ouais. Bien, déjà, il y a la voiture, bien, le camion qui va l'amener. Oui, bien, il y a le transport en commun de la matière, c'est-à-dire chaque semaine ou deux semaines, dépendant des municipalités, il y a un camion qui vient chercher votre bac chez vous. Donc, il vient chercher vos cinq matières, qui sont métal, verre, plastique, papier, carton, comme dans la chanson, that's it. Donc, les cinq matières, c'est transport en commun de la matière, elle rentre dans le centre de tri pêle-mêle. Et là, la magie des équipements à la fine pointe de la technologie opère. Les trieurs ont les mains dedans. Donc, au début, il y a un pré-tri. Et c'est là qu'on voit les couches, le téléphone cellulaire, bon, ces choses-là. Donc, pensez-y. Quand vous mettez quelque chose de dégueulasse dans le bac, il y a un humain ce matin, c'était pas ça sa mission de vie. Fait que lui, là, il est supposé trier du carton, du plastique, pas des couches, puis des léons, le caméléon. Là. C'est pas ça l'objectif. Donc, ça, c'est important. Et après ça, bien, c'est de développer des partenariats avec des entreprises du Québec pour avoir des contrats à long terme pour s'assurer qu'on va approvisionner ces entreprises-là au Québec et pour travailler sur l'aspect du recyclage local, comme je vous disais. Et nous, ce qu'on a rajouté dans notre mission, c'est innovation. On en parlera plus tard au niveau du verre. On est des leaders au Québec au niveau du verre. Puis là, moi, j'haïs ça de dire qu'on est des leaders, mais c'est ça qu'on m'a dit. Et l'autre chose, c'est que on est beaucoup dans la sensibilisation. Je le dis souvent, on est plus qu'un centre de tri. On est là pour les citoyens. Et ça, c'est ce qui nous différencie d'à peu près tout le monde. Puis d'ailleurs, on le voit là, sur la page Facebook, les gens posent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Tantôt qu'on se préparait à la rencontre, bien, des fois, je vous écoutais moins. Je suis désolé, mais c'est parce que je répondais à une dame qui voulait savoir si c'est un Ziploc que ça va dans le bac. Donc, des fois, c'est un peu ça. C'est vraiment de créer cette vraie conversation, cette vraie relation et d'établir ça pour que, justement, tout le processus se fasse. Donc, dites-vous que quand vous mettez quelque chose dans le bac, oui, il est recyclé, oui, localement, grâce au travail qui se fait dans un centre de tri. J'aurais aimé ça, tout vous amener puis vous montrer comment ça se passe. C'est pas possible pour l'instant, mais c'est partie remise. Vous aurez tous droit à une visite VIP du centre de tri. On pourra voir ça, puis vous allez vraiment bien comprendre comment ça se passe. Donc, c'est ça qui se passe avec la matière. Et la matière, on pourrait en parler pendant longtemps. C'est quoi les débouchés du verre? C'est quoi les débouchés du plastique? Mais on n'a pas le temps aujourd'hui de vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer ça. Je vous dirais, suivez notre page Facebook, on va tout vous détailler ça. Puis d'ailleurs, scoop pour vous, on prépare une série de vidéos où on va voir le chemin de chaque matière et ce qu'elle va devenir. On l'a fait jusqu'à maintenant pour le verre, on l'a fait pour le carton. Et là, on le prépare pour les autres matières aussi, pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça donne. C'est quoi le sens de ça? Parce qu'en ce moment, tantôt, tu l'as dit, Janie, tu l'as super bien dit, on le met dans le bac, puis ciao, bye. On l'oublie. L'eau potable, tu sais. Moi, je suis allé visiter l'usine d'eau potable dans ma ville. J'ai-tu besoin de te dire que le gaspillage d'eau potable, je trippe pas fort là-dessus quand j'ai vu 50 employés essayer de nous rendre de l'eau puis de nous amener ça chez nous. Après ça, là, tu comprends que c'est pas de la magie, là. Non, il y a des humains derrière ça et des ressources naturelles aussi. Tout à fait. Peut-être qu'Élodie va pouvoir participer à ce bout-là. Quelles questions, tu sais, quand on a un doute, là, ça va-tu dans le recyclage? Est-ce que je peux le faire? C'est quoi les questions là, qu'on peut se poser exactement pour nous aider, démêler tout ça? Bien, les questions sont super simples. Hein? Dans le fond, il y en a juste deux. Facile, hein?
Première question, est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Un jouet, là, c'est en plastique, c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Un gun, de l'argent, des billets. Tu sais, réfléchis, contenant, emballage, imprimé. Si c'est non, arrêtez ça, c'est pas la bonne filière de récupération, le bac. Si c'est oui, on poursuit la réflexion. Est-ce que c'est en métal, verre, plastique, papier, carton? Si oui, vous avez plein de chances que ça fonctionne. Il y a des nuances. Il y a des nuances dans les plastiques. Il y a quelques nuances. Mais cibler 90 % que ces deux questions-là, vous êtes vraiment proche. Puis si vous avez un doute, moi, je vais vous dire, je passe mes samedis soirs à regarder les photos de ce que les gens consomment parce qu'ils m'envoient des photos. « Hey, cet emballage-là, cet contenant-là, c'est-tu recyclable? Je comprends pas. » Puis là, je regarde là, les photos, là, j'agrandis. C'est pas toujours des photographes qui m'envoient ça. Puis là, ben, je peux bien leur répondre. Donc, en cas de doute, vous ne le mettez pas dans le bac. Mais avant, vous écrivez, vous nous écrivez. Puis nous, on va être là pour vous répondre toujours. On est toujours là. Puis si ça ne peut pas attendre 3-4 heures, ben j'aimerais ça dormir la nuit, ben là, mettez-le aux poubelles. C'est bien plate. Mais si vous voulez vraiment le récupérer éventuellement, ben écrivez-nous, puis on va être là. Donc, c'est vraiment une façon simple. C'est comme je vous dis, il y a deux questions. Contenant emballage imprimé fait de métal, verre, plastique, papier, carton. Puis entre les métals, verre, plastique, papier, carton, on a rajouté un « ou ». Parce que si c'est une pièce de métal avec un bout de vitre et un bout de plastique, tout ça vissé ensemble avec de la colle, ça ne marche pas. Premièrement, d'après moi, ça ne serait pas un contenant, un emballage ou un imprimé. Ça ressemble plus à un jouet, ce que je viens de vous décrire. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment que les matières... Parce qu'oubliez pas, avec du carton, on fait quelque chose qui est du carton. Avec du plastique numéro un, on peut faire quelque chose avec du plastique numéro un. Mais on ne peut pas refaire une fenêtre automobile avec une pièce de métal. Vous comprenez l'idée? C'est-à-dire que... C'est la matière, puis après ça, les recycler en d'autres choses. Excellent, merci Grégory. Élodie, tu voulais t'ajouter quelque chose? Juste, surtout, ne pas se dire, ben, comme Grégory le disait, mais ne pas se dire « j'essaye ». Parce qu'en fait, ça ne marche pas parce qu'il y a quelqu'un derrière qui va devoir gérer cet essai. Et une fois sur, enfin, si on n'est pas sûr, vaut mieux soit poser les questions, soit chercher l'information. Donc, ben, maintenant, je sais que Tricentri répond aux questions, mais sinon, ben, il y a des applis aussi qui existent. Alors après, les réponses doivent être encore vérifiées, mais il y a le Savaou de Recyc-Québec qui a au moins le mérite d'exister. Il y a les pages vertes à Laval. Donc, il y a des sources d'informations qui existent. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces sources d'informations. Et en fait, faites l'essai, je dirais, sur une semaine. Dites-vous, OK, à chaque fois que je mets quelque chose dans mon bac, je vais me poser la question de savoir si c'est sûr. Et en fait, une fois que vous aurez vérifié les éléments en fait, qui sont présents dans votre quotidien, ben, vous aurez les bonnes habitudes, finalement. Et il a dit, c'est tellement un bon point, ce que tu dis, c'est que, tu sais, je vais te donner l'exemple du sac de chips. Tu sais, nous autres, on reçoit des sacs de chips. Quand tu l'as acheté, tu le savais que ça allait aux poubelles, ça, c'est évident. Fait que tu l'as acheté, puis après ça, tu le mets dans le bac de récupération, puis tu dis, le centre de tri, ça en occupera. Puis après ça, le centre de tri se ramasse dans le front du Journal de Montréal, puis il dit, c'était carrément, ils ont enfoui de la matière. Bien, elle ne devait pas être au centre de tri au début. Fait qu'arrête de nous chicaner pour rien. C'est qui l'a acheté, le sac de chips? C'est assurément pas moi. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, cette relation-là aussi, de sensibiliser les gens. Parce qu'au début de la collecte sélective, il y a très, 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 très longtemps, jadis naguère, on disait, en cas de doute, mais envoyez-le au centre de tri, ils vont s'organiser. Mais à cette époque-là, c'était une table de tri, 3-4 personnes. C'était ça, là. Mais là, je ne sais pas si vous avez vu un centre de tri dernièrement, mais ça part dans tous les sens. La personne n'a pas le temps de commencer à enlever la petite étiquette. Là. Ça roule vite. Donc, en cas de doute, vous nous écrivez. Ou comme tu l'as dit, il a dit, il y a l'application, ça va où? Mais en tout cas, il y a beaucoup d'erreurs là-dedans, là, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu sais, c'est vraiment, vous avez des ressources, là, vous les savez, vous les connaissez, les ressources. On est là pour vous, on est là pour vous aider toujours. Ben, est-ce que c'est possible de répéter ça en disant « Régis, ça c'est mon chum, en cas de doute, ne pas le mettre dans le bac de recyclage » parce qu'on s'obstine à chaque jour à ce sujet. Alors Régis, toi, l'heureux élu du cœur de Janie, je te dirais un, tu t'abonnes à la page Facebook de Tricentris. Deux, tu écris à Grégory Pratt en lui disant « Janie a une question, on s'obstine à la maison et moi je vais régler votre conflit ». C'est bon, ça. Hey, j'aurais-tu te rencontrer avant? Elodie, est-ce qu'on peut aller voir dans notre quiz, là, où est-ce qu'on a... Oui, oui, oui. Où est-ce qu'on a mis... on a mis quoi dans le bac de recyclage? Ce sera pas bien long, il faut que je partage. Voilà. Là, je suis dans le mauvais... Je suis à la deuxième page. Alors... Oui, ben, on va... voilà. OK, alors... On va se demander finalement qu'est-ce qui va dans le bac de recyclage. Oui, c'est ça. Ça va être ça. Exactement. Alors, déjà, on a le numéro 2.
La tasse avec à café. Avec des nuances. La tasse à café. Alors, la tasse en elle-même, qui est en carton avec une fine pellicule de plastique, va dans le bac. Pour le couvercle, il faut vérifier le numéro du plastique. Très souvent, c'est du numéro 5, donc ça fonctionne. Si c'est du numéro 6, là, à Laval, ça ne marche pas. Il y a certaines MRC qui les prennent, mais pas à Laval. Excellent. Ensuite, on va y aller avec le 3. Alors, le 3, le Savan Wrap, c'est un plastique qui est souple, qui s'étire. Grégory, complètement, hein, si jamais. Donc, ça fonctionne. Mais le plastique du fromage, eh ben, si vous le prenez dans votre main, vous n'allez rien réussir à le... Vous n'allez pas réussir à le changer de forme, finalement. Donc ça ne fonctionne pas, ça va à la poubelle. C'est ça, c'est vraiment le côté étirable du plastique qu'il faut jouer avec pour avoir la réponse. Le 4, donc c'est l'aluminium. Donc ça, ben, ça va dans le bac. Il faut en faire... Ah, il veut corriger? Tu veux corriger? Non. Okay. T'as raison, ça va dans le bac. Et j'ajouterais, même s'il est souillé. Ah oui, c'est fondu à très haute température. Donc, c'est vraiment pas grave si vous avez quelque chose de souillé. Et je voulais juste revenir sur le 2. Tantôt, tu parlais du numéro 6. Ouais. Effectivement, il y a de l'éco-captation qui s'installe un peu partout au Québec en ce moment. On parle d'une quarantaine de municipalités, ça s'en vient. Il y a des beaux débouchés qui sont en train de se faire avec le plastique numéro 6. Et c'est pas accepté au bac selon la Charte de Recycle Québec. Et pourquoi? Parce qu'en raison du comportement de ce plastique-là dans un centre de tri. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas fin, c'est pas parce qu'on ne veut pas puis qu'on veut vous faire du trouble. C'est vraiment ça la raison. Mais il y a d'autres débouchés. Le styrofoam et le 6, c'est une autre filière de récupération qui n'est pas le bac. Donc, pour l'aluminium, tu disais qu'il fallait faire une petite boule avec le papier c'est d'aluminium? Ça, ben, je crois que c'est, ouais, généralement, ça va gagner de la place. On peut faire une pyramide, on y va comme on le sent, mais l'important, et c'est pas une blague l'idée de la pyramide ou de la boule, c'est que s'il reste, par exemple, un petit peu de gras de brochette, par exemple, ben, vous le fermez, comme ça, ben, le gras de brochette, il va pas aller sur la boîte de pizza puis la maganer davantage, tu sais. Fait que c'est un peu ça, là. C'est vraiment de préserver la matière, mais c'est fondu. C'est la même logique pour les conserves, en passant. Les conserves, c'est fondu à très haute température. Donc, S'il reste un peu de saleté, c'est pas grave. Faut juste pas que ça souille le reste du temps. Non, puis je sais qu'il y a des messages institutionnels très confus en ce moment, là où on voit des photos qui rouvrent le robinet au maximum puis qui traînent ça bien comme faut. J'ai des gens qui m'écrivent, qui disent « Moi, je mets ça dans mon lave-vaisselle. » Calmons-nous, merci, c'est gentil, c'est vraiment pas nécessaire. Alors, ensuite, on a le numéro 5 qui est la brique de lait. Donc ça va dans le bac. Ce qui est important là, parce que je vois, c'est une brique avec un bouchon en plastique. Il faut vraiment les séparer. Enlever le bouchon va aussi au recyclage, vous pouvez le mettre, mais séparez-le de la brique. Et là, si tu peux me permettre. Oui, vas-y. Si tu peux me permettre, le bouchon, il faut faire très attention. Premièrement, il faut qu'il y ait un Mobius. Et deuxièmement, sur le lait, souvent, il est très petit. Donc, comme sur les bouteilles d'eau, quand c'est trop petit, là, le jour où vous allez venir faire une visite VIP, vous allez vous rendre compte que le bouchon, il peut se perdre hein, dans le centre de tri. Des fois, c'est même mieux soit de le jeter s'il n'y a pas de Mobius ou carrément de le laisser dessus parce que le recycleur, notre acheteur de ces matières-là, qui est local d'ailleurs, accepte ce niveau de contamination-là. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Quand on prend le carton, il est mis dans un bassin d'eau, il est brassé à une assez bonne vitesse. Et tout ce qui est en plastique flotte, donc retiré, et tout ce qui pourrait être en métal ou en verre coule, et toute la fibre est respirée, et c'est comme ça qu'on recycle. Donc, c'est pour ça que le verre ne contamine pas la matière et que le plastique, c'est pas si grave que ça dans le fond. Mais ça, c'est très pointu, ce que je vous amène là. Le petit goulot m'a toujours embêté, justement, sur ces cartons. Ben, le petit truc qu'on enlève, là, ben, ouais. Il y a toujours un goulot, là, je pense, que le bouchon, mais justement, s'il s'enlève, c'est ça que je me demandais. C'est pas... la petite capsule, là, est trop petite, là, c'est une affaire grosse de même, là. Malheureusement, faites-en votre deuil. Mais pour le reste, là, soyez sans crainte. Il s'en occupe. C'est parce que le sujet dont on parle peu, c'est le taux de contamination accepté. Puis le taux de contamination accepté pour une matière oscille autour de 4 à 5 % souvent dans les matières, là, je généralise, mais 4 à 5 %.
Et il faut savoir qu'une goutte d'eau dans une bouteille d'eau est un contaminant. Je sais, c'est weird là, ce que je vous dis là, mais donc l'étiquette peut être un contaminant, le bouchon, tout ça, mais c'est accepté, toléré. Okay. Donc, ça fonctionne. Mais ce n'est pas nous qui indiquons ça, c'est vraiment l'acheteur. C'est lui qui décide ce qu'il a de besoin pour faire son produit. Ça, c'était la nuance. Élodie, je m'excuse. Je t'ai amené. Non, c'est parfait. Mais non, ça complète très c'était bien. Mais je voulais juste te dire que le 1, je ne sais pas où tu t'en vas avec ça, mais il est légèrement souillé, selon mon œil de gars qui travaille dans un centre de tri. Fait que ça pourrait passer. Si okay. tu vois que le carton est très imbibé de jus, tu peux enlever juste le bout qui est imbibé de jus et tu le mets au compost. Jean-Michel va être super heureux. Mais le reste du carton, je regarde tout le haut de la boîte, c'est super beau. Tu mets ça à plat, dans le bac, ça marche. Mais tu peux le mettre au compost aussi, là, mais tu peux okay. le mettre au recyclage. Parfait. Et sur et celle-là, j'ai rien à dire. Les ustensiles de plastique, non? Ça se recycle pas? Non. En non. fait, les ustensiles de plastique, ça ne se recycle pas parce qu'on revient à la règle 1. Est-ce un contenant, un emballage, un imprimé? Fait, fin de la discussion. Le bouchon de liège, ouais, même affaire. Mais il y a des solutions pour le liège. Et la bonbonne, là, pour les mettons de la crème à barbe ou de la crème à raser ou les bonbonnes aérosol, regardez dessus. Est-ce que vous voyez un signe d'explosif? Si ça peut t'exploser d'en face, ça se peut que ça explose d'en face de quelqu'un d'autre. Donc, ça, on ne veut pas. Moi, ce que je fais, je vous donne mon truc, mais c'est un truc pas officiel, là. Quand je prends ma crème à barbe, je prends un couteau, je donne un petit coup, le gaz, il sort, je le mets dans le bac, il n'y a aucun danger d'explosion. Ah! C'est un truc que je fais. Mais tu sais, okay. moi, je suis un extrémiste, là. Fait que prenez pas tout pour du cash ce que je vous dis. Sinon, je vais vous donner l'autre chemin qui est expliqué dans Ça va où. Vous allez à l'éco-centre le plus près. Bonne journée. Donc, ça aussi, ça existe. Mais excellent. Fois... Hey, je vais devoir accélérer oui. parce que sinon, on n'aura pas de place pour le compost. C'est clair, c'est clair. Puis on a quand même envie d'en entendre parler. Élodie, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus qui suit le bac de compost après l'avoir oui. Mis à la rue? Le bac de recyclage ou de compost? Là, on est rendu au compost. Le bac de compost. Élodie va nous expliquer un peu le processus. Juste puis par la chemin. Suite, Jean-Michel, tu pourras nous parler de qualité de compost. Oui. C'est ça. Donc, il faut savoir que quand vous, là, de plus en plus à Laval, beaucoup de gens ont le compost. Ça se met de plus en plus en place dans les multilogements. C'est une mission de la ville, là, dans les années à venir, ça commence. Il faut savoir que déjà, le compost de Laval s'en va dans les Laurentines, dans une entreprise qui s'appelle Mironor, et qui, en fait, gère la matière sur un compost à ciel ouvert. Donc ça me permet de vous parler des sacs qui sont dits compostables, qui sont en semi-plastique, là, qui est compostable, ne sont pas acceptés dans le compost de Laval. Et ça, c'est une loi canadienne, il me semble, qui demande que ces centres de compost n'acceptent pas ce type de sac parce que c'est volatile, très volatile. Et en plus, ça met beaucoup de temps à se décomposer. Donc voilà, après ça, les personnes qui sont là-bas, il y a un tri qui se fait finalement comme le recyclage, à la fois mécanique mais aussi manuel. Donc on enlève tout ce qui ne marche pas. Ça me fait aussi faire une parenthèse sur la vaisselle compostable qui est dite compostable, mais elle va se composter si le centre de compostage est adapté à ce type de matière. Il faut savoir que là, le compost qui est envoyé à Mironor met à peu près 4 mois. À être composté, donc toutes les matières organiques, et une vaisselle compostable comme un sac compostable là, pour mettre le compost qui est simili plastique, ça met à peu près 1 an, il me semble. Donc ça fonctionne pas. Mais ça, c'est des choses qui malheureusement cette vaisselle pourrait être compostée, mais c'est juste que le centre auquel Laval envoie son compost ne fonctionne pas avec ça. Et ensuite, une fois que le tri est fait, il va y avoir tout un processus biologique qui est de retourner le compost, faire des tas, etc., pour que finalement cette matière organique devienne la matière compost. Et à la fin, comme Mironor veut certifier un compost de qualité, il fait aussi un tamisage pour vraiment enlever un maximum d'impuretés quelque part, pour après pouvoir revendre ce compost. Voilà brièvement. Jean-Michel, justement, est-ce que comment on fait pour savoir si c'est souillé un compost? Puis ben, est-ce que ça en altère la qualité là, quand il y a un sac ou un petit autocollant de fruits ou de légumes qui se retrouve dans le compost?
Alors, c'est sûr ça va altérer la qualité. C'est quelque chose qui ne va pas se décomposer. Une étiquette de fruits, le sac, si justement il n'est pas décomposé après 4 mois, bien là, c'est quelque chose, c'est un problème qu'on va avoir justement. Dans certains cas, j'ai même entendu des histoires de centres de compostage. Bien, c'est ce que les sacs, bien, on essaie de les enlever rapidement, puis le reste, bien, on va jeter ça avec une partie de la matière organique qui est mélangée. Fait qu'il y a une perte qui est à ce niveau-là qui va y avoir. Après ça, encore là, je n'ai pas les pourcentages d'impuretés qu'il va y avoir. Ils vont essayer de tamiser ça comme Élodie le disait, mais tout ce qui n'est pas organique va être justement un contaminant. Fait qu'on va essayer d'en éviter le plus possible qu'il va y en avoir justement. Ce qui est le fun avec le compost, c'est que souvent, là, c'est très facile de séparer nos choses. Hey, on a un reste de nourriture, on met tout le reste de nourriture. Il n'y a pas besoin de séparer autre chose là-dessus à ce niveau-là. Fait que c'est pas les pièges, c'est les petites affaires additionnelles qu'on va rajouter dans le compost, comme la petite étiquette de fruits qu'on n'a pas enlevée. Moi, j'enlève avant de déplucher mes affaires. Ma blonde le fait après. Puis, oh non, là, c'est collé. Puis tout ménage. Moi, je le mets dans le compost pareil. C'est ça. Faut le faire. C'est pas un gros effort de tri comme il va y avoir justement avec le recyclage. Si c'est organique, on le met. Si ça ne l'est pas, on ne le met pas. Puis quand je dis organique, on peut y aller large. Ça peut être du. Encore là, c'est toujours une question de proportion. Du bois, c'est organique. Peut-être pas pour prendre de la bûche, là, mais du petit paillis de bois, de la paille, des restes de jardin, etc. Tout ça peut se composter dans une certaine façon ou d'une autre. Généralement, faire attention. Une ville à l'autre vont des fois vous dire telle chose, OK, il y a des limites, faites pas ça. Du caca de chien, c'est organique, mais dans vos composts, ils vont dire ne pas le mettre. Est-ce que je peux dire la réponse numéro 9 de les boîtes, les mouchoirs? Ben oui! C'est organique, comme je dis, c'est du bois, ça se décompose très facilement justement dans le compost, bien que en ce moment, ne demandez-moi pas exactement pourquoi, ils ont dit, dans le cas de la COVID, ne mettez plus vos mouchoirs dans le compost, et pourtant, ça va être dans une grosse pile de terre qui va chauffer, qui va tuer à peu près tous les microbes en théorie. Mais ceci dit, j'aime mieux respecter les consignes. D'autres personnes sont peut-être plus spécialisées que moi qui se sont posées la question, ou c'est simplement les employés qui ne veulent pas toucher à ça pour ne pas tomber malade. Tous les cas, c'est mieux de respecter les consignes, mais normalement, des mouchoirs, pas de problème, mais ça dans le compost, ça peut aller. Là, je dis ça, faire attention entre le compost de la ville, où on peut mettre n'importe quoi ou presque d'organique, et le compost de chez nous, si on a une petite boîte, justement, pour faire un petit peu plus attention. Il y a d'autres choses qui pourraient attirer de la vermine, moins se décomposer, justement. On n'a pas les mêmes... C'est pas les mêmes outils de. C'est comme si on dit sur une recette, on n'a pas les mêmes matériaux pour faire notre recette. On n'a pas un four industriel, fait qu'on va faire attention à ce qu'on va mettre pour avoir notre bonne recette de compost. Mais justement, Jean-Michel, c'est sûr que le compost de ville, c'est la façon facile de le faire, mais c'est pas nécessairement la façon la plus écologique parce qu'elle va être transportée, elle va devoir être traitée par des machineries, tout ça. Effectivement. Si on veut en faire un à la maison, là, c'est quoi ta recette de compost? Qui ont un jardin, là, ça, c'est génial pour en profiter justement. Tant qu'à faire, on peut tout récupérer. Moi, toutes mes épluchures et tout de nourriture, ça va tout là-dedans. Je vais vous montrer justement une petite image où on va voir souvent ce qu'il va y avoir. En même temps, je vais vous parler un peu de la recette d'un compost. Comment un compost s'est fait, justement. Attendez une petite seconde. Alors, c'est Recycle Québec qui donne ça, puis ça résume très bien ce qu'il va y avoir. Alors, je sais pas si vous voyez en haut, matière verte, azotée, matière brune, carbonatée. Azoté, c'est ce qu'il y a de l'azote dedans. Carbonaté, c'est ce qu'il y a beaucoup de carbone, justement. Il y a toujours un rapport à ce niveau-là. Tout ce qui reste de fruits et légumes, ça, c'est notre matière verte. Faites attention, c'est pas parce qu'on dit verte que c'est vert. Des épluchures de pommes, c'est pas vert. Ça se mange, ça devrait pas se composter. Mais en tout cas, votre trognon de pommes, par exemple, c'est dans la catégorie vert ou azoté. Ça, c'est la matière qui a beaucoup plus d'azote. Il faut un ratio entre ce qui est carbone-azote. Vous, à la maison, vous n'aurez pas de calcul de laboratoire à faire et autre chose. Une compagnie qui fait du compost industriel pourrait regarder exactement ces indices. Une compagnie biscuit, j'ai un paquet de résidus de biscuits. Je sais que ça, c'est un ratio carbone-azote, telle affaire. Donc, je vais faire une recette spécifique pour avoir mon compost idéal. Vous, ce que vous allez devoir faire, c'est mélanger du vert avec du brun dans un ratio de... Le vert, une fois, pour 2 portions de brun, à peu près. Ça va vous donner un compost d'assez bonne qualité en théorie, dans la mesure où vous avez enlevé vos étiquettes de fruits et légumes. Fait que, quand on parle de brun, c'est tout ce qui va être riche en carbone. C'est souvent les matières de plantes, fait que du papier, des feuilles mortes, d'autres choses comme ça. Justement, vous pouvez les lire un peu ici. Vous pouvez voir sur Recycle Québec qu'il va y avoir. Ils mettent les pâtes alimentaires là-dedans, justement, bien que ça peut se faire aussi à ce niveau-là.
Fait que ça, c'est ce qui est dans votre cuisine qui peut facilement être utilisé. Quand on va dans plus dans votre jardin, je vais descendre un petit peu. Là, oh, le gazon, là, on rentre dans le vert, c'est plus riche en azote. Oh, puis toutes les autres résidus de jardin, feuilles mortes, là, on tombe dans le brun. Moi, souvent, le plus facile que je trouve, c'est d'accumuler un gros sac de feuilles mortes. Puis quand j'ai assez de vert, ben là, je mets le double de ce que j'ai mis en feuilles mortes qu'il va y avoir. Fait que c'est le ratio, justement. Souvent, le gros de ce qu'on va mettre au compost à la maison, c'est souvent les épluchures, qu'il va y avoir, ce qu'on a découpé, les fruits et légumes. Très souvent, c'est ce qu'il va y avoir le principal. Fait que c'est presque juste du vert qu'il va y avoir avec quelques petites autres affaires qui sont souvent en très petite quantité, à moins que vous soyez un super gros consommateur de café. Le café se composte très bien, justement, mais ça va être un peu ça. Fait que, vous prenez l'habitude de mélanger un peu de feuilles mortes avec votre compost qu'il va y avoir. Rapidement, là, comment ça fonctionne un compost? Un, savoir que ce sont des micro-organismes et des champignons, fait que des bactéries et des champignons qui vont faire tout le travail, qui vont tout décomposer ça. Je vais fermer ma feuille. Vous pouvez aller voir Recyc Québec si vous voulez voir ça. Sinon, faites juste sur Recyc Québec pour ça, ça va vous donner. Il y a plein d'autres sites qui vous donnent des suggestions qu'il va y avoir. Qu'est-ce que ça prend pour du compost? Alors, nos micro-organismes ont besoin de différentes choses. Différents éléments nutritifs, principalement l'azote et le carbone, pour qu'ils fassent un meilleur travail, il faut qu'ils soient dans la bonne proportion. Mais même si vous n'avez pas la bonne proportion 1-2, ça va quand même se décomposer. Il y a quand même des micro-organismes qui vont venir faire le travail, décomposer ça. Puis ça, c'est ça, pas s'inquiéter. Souvent, ça va se faire peut-être un peu moins lentement. L'autre, ce qui est moins le fun, c'est que si vous mettez juste du verre, donc juste des épluchures et autre chose, puis jamais de feuilles mortes, de papier ou autre chose, votre compost va peut-être avoir tendance plus à fermenter que de vraiment composter. Ça va prendre plus de temps et des odeurs aussi qu'il va y avoir. Ça va être un compost de moins bonne qualité. Fait que ça peut jouer un peu là-dessus. Fait que ça peut être une autre chose. Alors, les bactéries, les micro-organismes qu'on veut, qui sont le meilleur pour composter, fabriquer notre compost, ont besoin d'oxygène. Comme nous, ils respirent. C'est ça qu'ils ont besoin. Alors, quand on parle de brasser notre compost, quand on brasse notre compost, il y a des petites poches d'oxygène, d'air qui vont être attrapées à l'intérieur, justement. Et ça va aider ces micro-organismes-là à bien pousser qu'il va y avoir. Tantôt, je parlais d'un peu le biocharbon, justement. Je l'ai montrer là, les petites capsules. Sinon, ça permet d'avoir un peu d'oxygène à l'intérieur en faisant des petits trous qu'il va y avoir. Ça va être une des choses qui va aider ces micro-organismes-là à avoir. Après ça, la fréquence. Bon, moi, je vais être honnête, l'hiver, je vais pas brasser mon compost. De toute façon, il est à moitié gelé. Je me casse pas la tête. Mais l'été, le plus souvent vous pouvez le faire, le plus vite votre compost va se faire. Mm. Il y aura plus d'oxygène qu'il va y avoir. Si vous le faites jamais, ça va juste prendre beaucoup plus de temps, ça va fermenter un peu justement parce qu'il n'y a pas d'oxygène, puis il y a seulement des bactéries qui n'utilisent pas d'oxygène qui vont venir là, fait que ça ne sera pas nécessairement l'idéal. Si vous le faites aux semaines, pas de problème, ça va quand même faire. Aux deux semaines, pas de problème. Chaque jour, encore mieux, ça va être très rapide. Tantôt, Élodie parlait du compost de... comment ça s'appelle la compagnie? Mironor, ça prend 4 mois à faire leur compost. Il existe différentes méthodes de compost. Souvent, les grands andins en commercial comme Mironor va avoir, justement, ça va être 4 mois qu'il va y avoir. Mais dans certaines régions du monde, si son compost est la bonne recette, on mélange tel matériau avec tel autre matériau, on peut avoir du compost fait en un seul mois. Ça, c'est la méthode super rapide extrême, là. Vous n'allez pas avoir ça dans votre jardin, mais ça peut aller jusque-là. Après ça, c'est toujours un peu de maximiser ce qu'on veut. Donc, dans le fond, bonne proportion de matériaux mélangés pour de l'oxygène, le reste va se faire un peu tout seul. Souvent, ce qui va se passer dans un monde idéal, quand votre ratio est très bon, il y a des micro-organismes qui vont commencer à s'installer. Oh, ces micro-organismes-là vont bien vivre, vont commencer à faire un peu de travail, mais comme nous, ils génèrent de la chaleur en étant en vie. Fait qu'ils vont générer la chaleur va se mettre à augmenter dans votre compost. Ça, c'est bon signe. Même qu'à un moment donné, ça se met à augmenter à peu près au-dessus de 50-55 degrés Celsius. Oh là, ça commence à être quand même chaud là, qu'il va y avoir. Ça gèle pas l'hiver, ça. Ça, c'est encore mieux. Mais là, c'est plus les mêmes bactéries qui embarquent. C'est des bactéries qui aiment ça, qui vivent dans la chaleur. Puis toutes les bactéries qui, en dessous de ça, qui n'aiment pas la chaleur, vont se mettre à mourir. Disons, une bactérie qui aime bien le corps humain, 37 degrés Celsius, quelque chose de pathogène, 55 degrés, et ça commence à être chaud pour eux, ils vont risquer de mourir. Fait que souvent, c'est le fun à ce niveau-là, ça va tuer tout ce qui peut être pathogène potentiel quand ça atteint ces grandes températures-là.
C'est pas toujours facile à avoir ça justement dans son jardin. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça tue aussi les graines de mauvaises herbes. Yeah! Quand on a ça. Mais ça, c'est quand on a vraiment notre recette un peu parfaite, ça va être un peu chaud. Faire attention, il y a des cas d'exemple parce que c'est devenu trop chaud. Je pense pas que ça peut arriver dans une petite. Mais, une Jean-Michel, petite... on va juste essayer de pas faire peur aux gens. Là. C'est accessible quand même de se faire un compost à la maison. Là. Votre compost à la maison ne devrait pas partir en feu, même si c'est des trucs qui ont déjà existé. le pire qui peut arriver n'est pas si pire. Non, ben, dans votre jardin, vous n'aurez pas ça. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Michel. Je vais prendre. En fait, on va être obligé de se rendre bientôt aux questions des citoyens parce que quand même, le but de Laval en transition, c'est de laisser les citoyens s'exprimer. Donc, on va vraiment garder beaucoup de temps pour ça. Mais rapidement, si c'est possible, Grégory, est-ce que tu es capable de nous parler un petit peu de la consigne du verre, notamment? Parce que, mais de façon abrégée, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus par la suite chez les citoyens. Oui, bien écoute, la consigne, c'est si on résume ça, ça va prendre à peu près 2h30. Fait que je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Il faut comprendre que le recyclage, c'est quand même nouveau au Québec. Hein? À l'époque, dans les années 80, le citoyen avait deux choix, par exemple, avec son contenant, soit qu'il le mettait aux poubelles ou qu'il le mettait à la consigne. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la consigne des contenants à remplissage multiple, ce qu'on appelle la bière, par exemple. Donc, la bière, elle est locale et la bouteille, elle est réutilisée 17 fois. Donc, ça, c'est la consigne des contenants à remplissage multiple, qui est une consigne privée. Par la suite, en 1984, il y a eu les CRU. Donc, c'est là qu'on est arrivé avec les contenants à remplissage unique. Et là, on a dit, les canettes, ça n'a pas de bon sens de jeter ça. Il faut les consigner. Donc, ça, c'est en gros à peu près ça. En 1987, il y a eu le début de la collecte sélective. Et là, les gens ont commencé à avoir des bacs à la maison. Maintenant, 99 % de la population a un bac à la maison. Donc, les trois choix, les choix que les citoyens ont, par exemple, avec leur canette, c'est soit qu'ils vont la porter dans une gobeuse, dans une épicerie, soit qu'ils la mettent dans leur bac, ou soit qu'ils la jettent, ce qui est une très mauvaise idée. Mais qu'ils mettent leur canette dans le bac ou qu'ils la mettent à la gobeuse, elle s'en va à la même adresse à Baie-d'Urfé. Toutes les canettes du Québec s'en vont à la même place, à Baie-d'Urfé. Cette entreprise-là, à Baie-d'Urfé, les magiciens qui sont, c'est eux autres qui vendent les gobeuses. Donc, vous comprenez un peu l'idée de la consigne. Ça, c'est un résumé rapide que je vous fais. Donc, on fait un amalgame entre la bouteille de vin et la bouteille de bière. La bouteille de bière, elle appartient au brasseur. Le brasseur est local, il la remplit lui-même. La bouteille de vin, elle appartient à un fabricant de vin qui est répandu dans des centaines de pays dans le monde. Et on dit, savez-vous quoi? On va la consigner. D'ailleurs, le plan de la consigne en ce moment, c'est de consigner tous les contenants à boissons à boire à remplissage unique. Donc, berlingot de lait, bouteille de jus, bouteille de vin, boissons à boire, yogourt à boire. Donc, tout ça va être consigné. Et pour résultat, c'est-à-dire le même, comme je vous disais, la canette, elle s'en va toute à Baie-d'Urfé, bien, même affaire. La bouteille d'eau va aller continuer à recycler à Joliette. La bouteille de vin va être recyclée au Québec. Tout va être recyclé, pareil, mais il va y avoir un dédoublement de système. Donc, on va vider le bac pour finalement l'envoyer à la même destination. Tout ça parce qu'il faut se rappeler qu'on vous a fait croire au cours des 3-4 dernières années que le recyclage est un échec. Fait que comme vous avez cru que le recyclage est un échec, la consigne est donc mieux. D'ailleurs, il y a plein de mensonges là-dessus. On dit que la canette, elle revient après 6 semaines sous forme de canette. C'est bien mal connaître le recyclage pour savoir que c'est ça. Premièrement, il n'y a pas de fabricant de canettes au Québec. Les canettes sont... L'aluminium est envoyé aux États-Unis. Il y a un faible pourcentage de la canette qui redevient une canette. La plupart de l'aluminium redevient un lingot d'aluminium, une pièce automobile, un corps de vélo. Tout sauf une canette. Parce que la canette, c'est trop compliqué. Il y a une compagnie qui fait le dessus de la canette à un bout des États-Unis, puis il y a une autre compagnie qui fait le tour. Ça prend 6 mois. Après ça, il faut la retourner chez quelqu'un qui va mettre quelque chose dedans, puis après ça, il faut la remettre sur la tablette. Donc, l'idée d'avoir recyclé la matière, l'impact environnemental est anéanti par le transport. Et c'est ce que le gouvernement veut faire. Donc, au lieu d'avoir la collecte sélective avec le transport en commun de la matière, on va vider le bac, une partie du bac, et on va multiplier les points de dépôt, multiplier les transports
pour avoir le même résultat. Et les dernières études qui sont sorties ont dit que dès 2022, le panier d'épicerie du Québécois moyen va augmenter de 20 $ par semaine à coût d'éco-frais et de consignes. Ah. Et l'idée, vous allez dire, ouais, mais si je retourne mon contenant, je vais l'avoir, mon 10 cents. Faux. Si c'est un contenant à remplissage unique sur ton 10 cents, c'est pas les vrais chiffres, là, sur ton 10 cents, tu vas recevoir 5 cents. Et si c'est à remplissage multiple sur ton 10 cents, tu vas avoir 10 cents. Mais on va te rajouter un éco-frais par-dessus ça. Donc, dans le fond, pour te faire croire que c'est plus noble que la collecte sélective, on va te mettre 400 points de dépôt, des centaines de gobbers à 25 000 la copie. N'oubliez pas qui vend les gobbers. C'est intéressant, ce tabou-là. Donc, c'est ça, dans le fond. C'est que la consigne, c'était une bonne idée en 1980. Ça n'amène rien de plus. On dit que la matière va être protégée, elle va être plus noble. Elle va être... Ben non, la preuve, elle est faite avec les canettes. Puis pour le verre, n'oubliez jamais que ce sera que les contenants de bouteilles d'alcool qui vont être consignés. Mais que fera-t-on avec les pots de cornichon, les pots de confiture? Le verre va rester pareil dans le bac. Et on a fait croire aussi aux citoyens que le verre, quand il rentrait dans le bac, il contaminait toutes les matières. Rappelez-vous quand je vous ai expliqué comment le carton était recyclé? Est-ce que le verre contamine le carton? Absolument pas. Il est dans un bassin d'eau, le verre tombe en bas. Il n'y a pas de contamination. Puis d'ailleurs, il y a eu un article super intéressant que je vous recommande en octobre 2019 par un journaliste de Radio-Canada qui a appelé lui-même tous les centres de tri du Québec pour leur demander quel était le taux de contamination du verre dans les matières. Et tenez-vous bien, on parle de moins de 1 %. Et si je vous rappelle tantôt ce que je vous ai dit, c'était combien le taux de contamination accepté? 4 à 5. Excellent. Voyez, mais merci, Grégory. J'ai résumé. Merci. On remet les choses aux bonnes places. Il a dit, je vais retourner dans notre quiz pour juste répondre à est-ce qu'on a réussi à parler de tous les éléments? Peut-être pas. Donc, est-ce que tu veux me dire? Donc, pour la boîte de pizza, ben, on l'a nommée. Ouais. Hein? C'est ça. C'est que l'idée, c'est si elle est vraiment souillée, comme on l'a dit, elle va au compost. Sinon, s'il y a les parties qui ne sont pas souillées, on peut aussi les mettre au recyclage. OK, dans cette page-là, on avait pas mal tout réglé. Dans l'autre page, le bouchon de liège. Alors, le bouchon de liège, il y a des récupérateurs. Ça peut aussi, si c'est vraiment du liège, ça peut aller au compost. Mais attention, il y a beaucoup de bouchons qui ne sont pas du vrai liège. C'est de l'imitation de liège qui est un peu du plastique. Donc ça, ça n'y va pas. Et ça, du coup, ça va à la poubelle. Okay. Et moi, j'ai une question pour Jean-Michel. Oui. Est-ce qu'on doit absolument couper le bouchon de liège ou... Si on le met au complet, il fonctionne quand même dans le compost. On me pose souvent cette question-là. Je n'ai pas l'information pour les compagnies de compost, comment ils font. Techniquement, ça se composte, mais des fois, c'est une question de vitesse, mais je ne pourrais pas dire pour les entreprises ici comment ils fonctionnent. OK, je vais poursuivre mes recherches. les ustensiles, on l'a dit. La bonbonne, on l'avait dit un peu. Bonbonne... C'est ça, c'est que normalement, il faut la rapporter, sauf si on a une technique comme Grégory. Mais c'est que ça me fait faire le lien avec tout ce qui est centre de dépôt ou éco-centre. Ils ont les moyens de récupérer ce type de matière et de les trier. Ça va de même avec toutes les matières qui sont un peu dites dangereuses, toutes les huiles, etc. Vous pouvez les ramener dans un éco-centre. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, mais à Laval, il n'y en a pas. Ça s'en vient. D'ici fin 2021, on devrait avoir le premier éco-centre à Laval. Et jusqu'à présent, il y avait des éco-centres qu'on appelait mobiles. Donc, il faut regarder sur le site de Laval, mais il y a des dates qui sont précisées. Et il y a l'application Ça va où aussi qui est bien à voir. Le stylo? Le stylo, voilà. Alors, le stylo, c'est pareil. Il y a des centres de dépôt. Il y a un bureau, en gros, qui s'est connu, qui récupère ce type de stylo. Et certainement qu'on peut aussi le ramener à son éco-centre pour gérer ça. Excellent. Voilà, là, je vais devoir appeler Marianne. Marianne, es-tu là? Ah, elle apparaît. Oui. D'ailleurs, je n'ai pas redit aux gens. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont rentrées, mais n'hésitez pas à aller les écrire dans le chat si vous en avez. Là, on va essayer de répondre du mieux qu'on peut. Il y a déjà effectivement quelques questions qui sont rentrées. Puis j'invite les gens là, justement à continuer de noter leurs questions s'ils en ont. Puis j'en ai autant au niveau du compost que du recyclage. J'avais beaucoup de questions justement sur le verre. Alors c'est le fun, Grégory, que tu nous en aies parlé un peu plus. Il y avait notamment Josiane là, qui demandait quel sera l'impact sur nos usines avec la consigne du verre. Fait que là, j'ai l'impression que tu as quand même bien répondu, à moins que tu veuilles compléter. Bien, en fait, on menace les débouchés du Québec. C'est-à-dire que la consigne, le deal qui est fait, c'est que le verre va être envoyé aux États-Unis pour faire de la laine minérale. Alors que
on a déjà des débouchés au Québec. Et le principal refondeur de bouteilles ne fait que du brun en ce moment, puis on apprend en commission que ces équipements sont en fin de vie. Donc, ça va aller à Toronto. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est recycler au Québec. Puis en ce moment, il y a 6 débouchés extrêmement prometteurs allant de l'agriculture urbaine jusqu'aux infrastructures, donc qui peuvent être des bons débouchés pour le verre du Québec, pour qu'il soit recyclé ici. Puis d'ailleurs, on est approché par beaucoup de gens à l'extérieur du Québec, donc des gens des pays insulaires qui ont fait cette réflexion-là, même en Europe, en Asie, en Australie, qui disent non, il faut que le recyclage se fasse localement. Donc, on est en train de leur expliquer ce qu'on fait pendant qu'on est en train de détruire notre système ici au Québec. Mais nul n'est prophète dans son pays, les amis. Ouais, effectivement. Il y a des projets d'infrastructures dans les ponts. Ils mettent du verre pilé, justement. Ce matin, j'avais une conversation avec les ingénieurs. À l'île des Sœurs, ils vont construire 2 ponts avec de la poudre de verre. C'est la première fois que ça va être fait. Il y a aussi de la poudre de verre dans des membranes imperméabilisantes. Quand ils ont fait la rénovation de la Statue de la Liberté, c'est une compagnie québécoise. Donc, on a envoyé le verre au Québec. Ils ont fait une membrane qui est utilisée aux États-Unis, sur le toit de Disney, Google, un peu partout dans le monde. Donc, le savoir-faire du Québec est regardé partout, sauf par le ministre de l'Environnement. Parce que le verre a de très bonnes propriétés, en plus. Tout à fait. En fait, ça permet de réduire la consommation d'argile dans les membranes, notamment, qui est une ressource naturelle non renouvelable qui vient du sud des États-Unis. Et au niveau des infrastructures de béton, permet de réduire ciment, qui est un des principaux polluants au monde, et permet d'augmenter la durabilité du béton jusqu'à 10 fois. Et la dernière fois que j'ai fait un tour d'auto, ça fait quand même un certain bout, je vous dirais qu'on a un problème et un enjeu au niveau des infrastructures. Donc, des infrastructures durables, au lieu de refaire le trottoir aux 5 ans, ce serait le fun de le faire aux 50 ans, les rues seraient moins bloquées à Montréal. J'espère qu'il y a des gens du ministère qui écoutent en ce moment. Ils sont au courant, ils le savent, sont en étude. Excellent, les études. Ben, depuis 5 ans quand même. Hein. Marianne? Question de continuer justement sur la thématique du verre. Est-ce que c'est vrai que, tu le mentionnais, donc le verre est recyclé actuellement au Québec. Est-ce qu'il y a des types de verre, des couleurs, des éclats de verre ou des choses qui... C'est tellement une bonne question. C'est un mythe, ça. C'est okay. Le mythe, là, c'est qu'avant le verre, la seule chose qu'on voulait faire au Québec, c'est refaire du verre avec du verre. Mais comment ça se fait qu'on accepte qu'avec une bouteille d'eau, on pourrait faire un costume de bain, puis qu'avec une canette, on pourrait faire un pare-choc, mais qu'on n'accepte pas qu'avec le verre, on pourrait faire un pont? Je ne comprends pas pourquoi on n'achète pas ce bout-là alors qu'on l'achète pour toutes les matières. On dit, hey, c'est le fun, hein? Grâce au papier, ben, on peut acheter du papier de toilette. Ça, tout le monde est bien content. Mais le verre nous donne un pont solide. Ah, ça, ou ça, c'est dégueulasse. On devrait refaire des bouteilles. Donc, cette industrie de refonte-là est basée sur la couleur. C'est qu'avec le brun, on peut faire du brun. Avec la claire, on peut faire du clair. Avec du vert, on peut faire du vert. C'est pour ça qu'il y a une entreprise à Trois-Rivières qui s'appelle Bellemare et il y a nous qui avons bypassé le système en disant « Et si on regardait ça autrement puis que la couleur n'était plus importante? » D'où l'idée de la micronisation du verre. Quand vous regardez de la poudre de verre, ça ressemble à de la farine, mais si vous regardez ça dans un microscope, vous allez voir des points verts, des points bruns, des points blancs, des points ici. Mais c'est tellement mince que la lumière ne passe pas, donc on ne voit pas la couleur. Donc, la poudre de verre est une solution à éviter cette notion de trier par couleur. Parce que ce qui est important, c'est donner une valeur pour le verre. Juste pour vous donner un exemple, le verre de refonte classé par couleur pur vaut à peu près 80$ la tonne. En laine minérale, autour de 110 américains. Et la poudre de verre, ça va jusqu'à 2600 la tonne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, je vous passe pour la silice précipitée, là, qui est un autre projet sur lequel on travaille, mais qui va être le premier fabricant de silice précipité au monde à partir de verre recyclé. Normalement, la silice précipité, c'est utilisé dans l'alimentation, la peinture et les filtres pharmaceutiques, donc, et dans les pneus. Et c'est un produit qui vaut très cher. Donc, ils vont prendre la poudre de verre faite chez Tricentris et ils vont en faire un produit à 2600$ la tonne. Ils vont devenir le leader mondial. Et en plus, avec les filtres pharmaceutiques, ils deviennent les leaders dans la recherche sur le cannabis parce qu'on va être la plaque tournante de la recherche sur le cannabis au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Canada, c'est légal alors qu'ailleurs dans le monde, ça ne l'est pas. Donc, il y a des compagnies très puissantes qui s'installent en ce moment. Mais quand ils écoutent les discours du ministère qui disent « on va vider les bacs du verre », ben ils se disent « coudonc, on va s'installer aux États-Unis étant donné que c'est là qu'il va aller le verre ».
On est en train de menacer une économie et une innovation reconnue mondialement pour un dogme basé sur un vieux principe des années 80 par des gens qui croient encore qu'on est des années 80. J'aime bien la musique des années 80, mais je pense qu'on est rendu en 2021 puis on est capable de grandes choses. Des gens partout dans le monde nous regardent et ils sont fiers de ce qu'on fait, mais nous, on manque un petit peu de fierté. En tout cas, ce soir, on en apprend sur plusieurs mythes hein, qui étaient bien installés dans nos têtes. Marianne, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, oui, tout à fait. Justement, peut-être que celle-là serait peut-être pour Élodie, justement, suite au quiz. Quelqu'un demandait, donc, une bouteille de verre avec un bouchon en métal, on la met dans quel bac? Grosso modo. Moi, je la mettrais dans le recyclage, mais j'enlèverais le bouchon. Mais Grégory va répondre. Quand vous allez avoir votre visite VIP, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Le verre est retiré, puis il y a des aimants. Donc, la capsule de métal va être prise. C'est la même chose avec la petite gaine en aluminium. Il n'y a pas de problème. C'est capté, ça. Donc, c'est recyclé, cet aluminium-là. Comme je vous l'ai dit, l'aluminium, nous, on adore l'aluminium. Donc, l'aluminium, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre dedans. Et puis le verre, ben, je vous ai tout expliqué. On a répondu. Ça, il est vraiment recyclé localement, malgré la rumeur. Mais fait que l'importance de les séparer, ça, non. Bien, c'est important de séparer ces matières, oui. C'est vrai, si c'est vissé, il faut les séparer. Mais tu sais, si c'est vissé, vous pouvez laisser votre bouchon dans le bac si ça vous dit, mais sortez pas vos cutters puis commencez à découper la gaine puis tout le kit. Simplifiez-vous la vie. On a des équipements pour que ça fonctionne. Excellent. Super. Mes prochaines questions sont peut-être un petit peu plus autour du compost. Il y a Mad qui demandait une planche à découper à légumes ou à viande, etc. Avec ou sans vernis, est-ce que je devrais la mettre au compost quand elle a atteint sa durée de vie utile? Un gros bloc de bois, c'est trop complexe. Tantôt, on se demandait, on n'était pas sûr, le liège, là, si on devait le découper, justement. Je ne suis pas sûr pour le liège, parce que ça se défait, c'est quand même assez petit, mais une planche à découper, c'est trop gros, ça ne va pas se composter assez rapidement. Et on ne mettra pas du bois là-dedans. Du paillis de bois. Ça, ben, du paillis, de la poudre de bois, ça passe. Mais du bois, un gros bloc de bois, une bûche, mettez pas ça dans le compost, ça va être trop long, ça va juste se faire tamiser puis se faire jeter, justement, qu'il va y avoir. Si c'est des gros, gros trucs de bois, hein, généralement, ça va être les éco-centres qui vont les récupérer. Sinon, ça va être justement... Le recyclage. Finalement, hein? Pas dans le recyclage. Non, les 2x4, je suis bien tanné des voir. Oui, puis sinon, au pire aller, peut-être que la planche de bois peut servir au beau-frère qui se fera un feu de camp, justement, extérieur à un moment donné. Peut-être donner une idée, justement. Moi, la compagnie que je dis qui travaille, c'est de l'aménagement paysager, eux, ils ont plein de bois, mais ce bois-là, ils le coupent. Là. Ils font du BRF, là, du bois ramial fragmenté qu'il va y avoir, puis avec ça, ils veulent faire du compost. Mais on sait que ça va quand même des gros morceaux de bois. Puis nous, ça prend du temps. Là. Ça fait vraiment quand même plusieurs affaires. Mais on sait que ça va prendre du temps avant que ça se composte vraiment. Là. Fait que mettre un bloc de bois, ça ne passerait pas. Ariane, ton micro. C'est noté. Josiane se demandait s'il y a des moisissures qui se développent dans mon petit bac dans la cuisine, est-ce que ça va contaminer mon compost dans ma cour? Oui, et c'est ça qu'on veut. Tes moisissures, ils sont bonnes pour ton compost. Jamais se casser la tête. Ces moisissures-là vont aider juste à mieux dégrader votre compost. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Faites pas exprès, attendez pas que ça pue. Faites juste le mettre court. Mais s'il y a des petites moisissures dessus, il ne faut vraiment pas s'en inquiéter. Ça fait dans votre compost, c'est plein de moisissures déjà. Fait que c'est pas de problème. Dans le même ordre d'idées, je crois que c'est Paul-André qui demandait « J'ai une plante qui est morte et qui a un peu de mousse blanche à la surface du sol. Est-ce problématique si je mets cette terre dans mon compost? » La plante, la terre, pas le pot. D'accord. Puis le pot, moi non plus, je le veux pas. C'est en plastique. Bien, s'il y a un Mobius, ça va. Mais un pot de céramique, et on en reçoit. Pas de une poterie, là. C'est bien le fun, une poterie, mais je n'avais pas chez nous. C'est noté. C'est une bonne chose. Je suis sûre qu'il y a une bonne valeur de revente sur Kijiji pour les pots. Mais en fait, même pour les pots, il y a peut-être au Festival Zéro Déchet, là, ils font plein de trucs avec des matières. Donc, peut-être que ce sera récupéré pour faire autre chose. Oui, on peut toujours réemployer, hein. On peut être créatif.
Il y a également quelqu'un qui demandait, puis là, je m'excuse, j'ai oublié le nom, dans quoi peut-on faire notre compost, donc à la maison, mais sans qu'il y ait un coût qui soit très élevé? Ça dépend. Il y a des petites boîtes à compost qui peuvent se faire. Il y a différentes façons de faire du compost. Il y a du vermicompostage, parce qu'on a des verres qui vont construire de ça. On peut faire ça dans un bac de plastique qu'il va y avoir. Ça pourrait être comme ça. Ça, c'est plus complexe. Ça prend une petite étude. Informez-vous avant de faire ça. Puis ça prend comme, tu sais, c'est comme prendre l'équivalent d'une livre de beurre par semaine pour comme un 30 cm carré pour un gros bac. Fait que c'est pas super optimal, à moins que tu sois tout seul. Mais encore là, sinon, si on veut se faire soi-même sa boîte à compost, ça peut très bien se faire. Quelqu'un qui prend des bouts de bois, se fait une petite boîte, c'est à peu près 65 cm par 75 cm par 75 cm par à peu près un mètre de haut. Laissez des petites fentes pour que l'oxygène puisse passer, justement. Il y aurait moyen de se fabriquer sa propre boîte à compost. Je suis sûr que vous allez sur Internet, vous allez voir « Hey, do it yourself, boîte à compost », vous allez trouver plein d'idées. Ouais. Peut-être avec des palettes, là. Avec tes fentes, là, je pense à des palettes. Ça pourrait très bien se faire. Le principe, c'est que notre contenant, justement, idéalement, on a une petite fente qu'on est capable de récupérer par en dessous, ce qui va être la terre qui va être bien compostée, et qu'on a des petites fentes pour laisser passer l'air, l'oxygène, pour que, justement, l'air puisse passer. Ce qui est le fun avec un petit composteur, souvent maison, c'est quand même petit, l'oxygène peut passer assez facilement. C'est sûr que c'est mieux de mélanger. Mais quand on a des grandes piles de compost qu'il va y avoir pour des très grandes quantités, là, il faut absolument le brasser, souvent de la grosse machinerie pour être sûr que l'oxygène se passe jusqu'au milieu, justement. Diane demande des coquilles d'œufs dans le compost. Oui, c'est non. C'est oui, pas de problème. Idéalement, cassez-les vraiment avec vos mains, là, faites des petits morceaux qu'il va y avoir. C'est ni dans le brun, ni dans le vert. Par contre, ça a des nutriments là-dedans qui vont être excellents pour nos micro-organismes, qui vont aider à enrichir notre compost. Fait que ce qui va en ressortir, la terre va être un petit peu plus riche à la fin avec ça, justement. Mais il faut bien la casser, sinon ça va prendre beaucoup plus de temps qu'il va y avoir. Moi, au début de l'été passé, ma blonde de sortie de compost un peu avant qu'il soit très mature, puis elle en avait pendu partout, puis j'avais plein de petits bouts de coquilles un peu partout. Bon, d'accord, c'est pas bien grave. Ça fait un style dans le compost, dans le jardin. Il y a Liane qui vient tout juste de demander, est-ce vrai que la litière souillée va dans le compost? J'ai vu ça que oui, dans plusieurs endroits, justement, la litière souillée, je ne sais pas, il y a différentes sortes de litières qui peuvent et qui ne peuvent pas. Mais tantôt, l'amendement que je vous parlais de la petite roche, la zéolite, la roche volcanique, je ne me rappelle plus le nom scientifique de la litière, mais très souvent, c'est une autre sorte de roche volcanique qui n'aura pas de problème et que ça peut se faire, justement. Vérifiez, des fois, peut-être qu'il va être marqué dans les informations de votre ville, c'est genre où ça va, où, des choses comme ça. Mais oui, très souvent, la litière. Le compost de la maison, non. Le compost de la ville, il y a des bonnes chances que oui. Ça dépend peut-être des sortes de litière aussi. Ça, je ne peux pas garantir. Mais je sais qu'il y a des sortes de litière pour ça, qu'il n'y a pas de problème pour le composter, puis ça, c'est pas un problème. Excellent, merci. Hey, on va tellement se coucher brillant. Là. J'espère que tout le monde prend des notes. Oui, il y a beaucoup d'informations ce soir. C'est vraiment beaucoup de détails. Paul-André demande, si j'ai mis de la viande, poulet cuit ou coquille de moule, j'ai lu qu'après un an, les possibles pathogènes sont éliminés. Est-ce exact? C'est une question de température, justement. Fait que si, justement, on avait un bon ratio de matière azotée, matière carbonatée, on a mélangé quand même fréquemment notre compost, la température va avoir bien augmenté. Et là, on a les micro-organismes qui vont se mettre, la chaleur va être assez haute pour tuer les pathogènes. Souvent, si c'est un compost de maison, qu'on n'a pas bien fait le mélange, ça va rester quand même plutôt froid, ça ne va pas se rendre à la température idéale. On ne peut pas justement garantir. Généralement, on recommande pour le compost de maison d'éviter justement tout ce qui est viande et autres choses à ce niveau-là, mais surtout parce que ça attire la vermine qu'il va y avoir. Mais ce qui va se mettre dans un composteur donc de la ville et autres choses, pas à s'en inquiéter. Là, ça va être détruit effectivement dans les gros andins qui vont se créer. Les températures sont assez élevées pour que ça va tuer tout ce qui est pathogène. Excellent.
Bon, là, Matt demande pour la litière de chat dans le compost avec de la bentonite. La bentonite, c'est ça le terme que je cherchais tantôt, que je n'étais pas sûr. C'est une autre sorte de roche volcanique qu'il va y avoir aussi. C'est inerte, ça va se mélanger avec le compost qu'il va y avoir. Tu sais, dites-vous, de la terre, du compost, ça, c'est du sol, c'est de la terre. Puis dans votre sol, des fois, vous avez des petites roches et autre chose. Ça ne va pas nuire à ça, même que dans certains cas, il y a certaines sortes de petits champignons qui vont gruger ces petites roches-là au fur et à mesure, qui vont donner une petite partie des nutriments de ta petite roche à la plante qui est à côté, qu'il va y avoir. Fait que souvent, dans la mesure où c'est comme on ne fait pas du compost avec presque juste ça, ça ne va pas déranger. On parlait d'un pourcentage de contamination souvent avec le recyclage. Ben, votre litière de chat, justement, avec la bentonite, il ne devrait pas y avoir de problème. Vérifiez avec les villes, peut-être que justement, il y a des compagnies qui ne veulent pas l'avoir pour leur propre raison, mais normalement, ça ne devrait pas être un problème pour un compost industriel de la ville. Super, merci beaucoup. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions qui sont apparues entre-temps parce que les gens posaient des questions de façon frénétique. Il y a quelqu'un qui a demandé... Je peux me permettre, je vais juste amener une précision. Les sacs oxodégradables et les ustensiles biodégradables et tout ça, faites très attention de ne jamais mettre ça dans le bac de récupération, hein, je rappelle, parce que des fois, il y a des sacs où il y a des ustensiles qui peuvent se mélanger avec d'autres matières. Et là, quand le fabricant, lui, il refait quelque chose en intégrant de la matière recyclable, il ne sait pas qu'il y a quelque chose d'oxodégradable ou de biodégradable dedans. Puis là, tout d'un coup, il y a des retours sur sa marchandise parce qu'elle commence à se désagréger. Soyez très, très, très vigilants. La récupération, c'est pour ce qui est recyclable. Ce qui est compostable, ça ne va pas dans le bac de récupération. C'est une nuance super importante parce que les fabricants, souvent, pour se donner bonne conscience, vont ajouter un Mobius en disant oxodégradable avec un Mobius, le triangle avec les flèches, qui indique que c'est recyclable et le citoyen est un peu confus dans ça. Et c'est pas de sa faute, c'est vraiment une négligence de la part du fabricant. Donc, je veux juste le préciser, ce bout-là est important. On a eu plusieurs situations comme ça avec des sacs, notamment. Oxodégradable. Il faut faire attention à ça. C'est toujours de penser où s'en va le matériel que je recycle. Il s'en va pour produire une nouvelle chose. Ben, tu as raison, Janie, puis c'est le bout qui manque dans l'histoire. C'est-à-dire ben, c'est compliqué. Pop, les gens, ils ne savent pas ce que ça devient. Et c'est pour ça qu'on va faire cette série de capsules-là pour expliquer aux gens voilà ce que ça donne. T'sais, ça donne vraiment quelque chose. Pendant qu'on les parle avec les sacs, là, je pense qu'on avait peut-être glissé un mot au début. À Laval, les sacs là, qui disent biodégradable, oxo-biodégradable et tout, c'est un non. On ne veut pas les accepter, ça va bloquer. Je le rappelle encore, on avait parlé un peu au début, mais ça, c'est encore là, je rappelle. Pas de sac, quoi que ce soit, dans votre bac de compost à Laval. Excellent rappel, parce que moi, j'ai souvent des questions là-dessus. Il y a beaucoup d'éco-blanchiment. Hein? Ils jouent un peu entre la notion recyclable, compostable, tout ça pour essayer d'acheter un peu une bonne conscience. Là. Mais effectivement, Jean-Michel, bon rappel. Marianne, est-ce que tu veux que je lance une autre question pour que tu prennes le fil? J'ai peut-être une autre question ici. Puis là, ben, je te laisserai ensuite. Je sais que tu avais d'autres questions à poser aux panélistes. Donc, afin de diminuer les arrêts des camions et donc de réduire les gaz à effet de serre, les GES, en fait, j'aimerais peut-être entendre Élodie là-dessus. Est-ce que selon toi, Élodie, ce serait une bonne idée de mettre le bac que lorsqu'il est plein, donc aux 2 ou 3 semaines? Oui, je pense que c'est intéressant, c'est sûr, mais il faudrait que ce soit généralisé, c'est-à-dire que, pas que, en gros, il faudrait qu'il y ait une réflexion commune. Il faudrait que les gens aient moins besoin de déposer leur bac devant chez eux. Et de ce fait, faudrait finalement que la collecte... Il faudrait que les gens arrivent à avoir besoin que d'une collecte aux 2 semaines, limite. C'est un peu ce qu'on veut. C'est un peu ce vers quoi on veut tendre, notamment avec le bac des poubelles, finalement. On veut orienter les gens de plus en plus vers le compostage et le recyclage, pas d'une, pour mettre moins de choses à l'enfouissement, mais aussi pour, on veut aussi axer de plus en plus vers la réduction à la source, parce que c'est ça la solution. Moins on aura de choses dans notre bac, moins on aura besoin de passage, moins on aura besoin de transport vers les différents centres de traitement de la matière. Oui, vas-y, Grégory. Le vieux gars d'expérience, je veux juste ramener un point important. C'est un couteau à double tranchant d'avoir des collectes moins régulières.
Je donne le cas de Beaconsfield, par exemple, qui avait réduit puis qui faisait un programme qui s'appelait Pay as you throw, c'est-à-dire tu payais pour ce que tu jetais. Bien, je vous annonce que les gens n'ont pas bien beaucoup payé parce qu'ils ont tout mis ça dans le bac de récupération finalement. Donc, c'est nous autres qui avons payé. Fait que dans le fond, la chose, c'est ça, c'est que les gens, je vous le disais tantôt, là, au début, je vous parlais de la pandémie puis des troubles un peu de paresse qui s'étaient développés. C'est que quand le bac est plein, on le met dans celui qui est vide. Donc, ça, c'est un couteau à double tranchant. Il faut faire très attention. Et pour ce qui est de l'aspect de mettre le bac seulement quand il est plein, nous, on insiste beaucoup là-dessus. Parce que effectivement, le stop and go qu'on appelle du camion, c'est ce qui est très polluant. D'ailleurs, il y a une compagnie québécoise qui s'appelle FNCO qui développe un nouveau principe avec un moteur régénérateur qui fait que ça réduit les GES. C'est une entreprise québécoise qui fait ça depuis plusieurs années. Il y avait un article dans la presse encore cette semaine. Ils en vendent partout aux États-Unis, puis au Québec, on y pense. Donc, c'est vraiment ça. L'idée, c'est qu'il y a des technologies, mais il faut aussi sensibiliser les gens à dire, bien, plie ta boîte de carton dans ton bac de récupération, défais-la, puis d'après moi, tu vas avoir de la place. Mais quand tu arrives du Costco puis tu mets trois boîtes une par-dessus l'autre, bien, c'est bien plate, mais oui, ton bac, il est plein. Après, tu appelles la ville puis tu chicanes la ville parce qu'il ne vient pas ramasser ton bac, bien, défais tes boîtes, tu sais. La ville de Terrebonne a fait une campagne de sensibilisation là-dessus cette année. Puis c'est un peu ça aussi, c'est de penser à réduire l'espace le plus possible. C'est des gestes super simples, défaire ta boîte de céréales, des gestes super simples, mais qui peuvent avoir un grand impact. Mais oui, on recommande aux gens de ne pas mettre le bac à chaque semaine ou à chaque deux semaines s'il n'est pas plein. Moi, mon bac de récupération, là, c'est une fois sur deux, une fois sur trois que je le mets. Parce que de toute façon, je mets tout aux poubelles. Non, c'est pas vrai. Mais... non, parce qu'il consomme pas beaucoup. Hein? Oui, la réduction, là. Non, mais c'est vrai, Jenny, oui. Tellement qu'on ne parle pas assez de réduction. C'est pas en faisant une petite pub avec une mini dinde au bye-bye que les gens ont compris qu'il faut réduire, là. Bien, Élodie, elle est ambassadrice du Festival Zéro Déchet. Là. J'aimerais bien t'entendre parler du festival, mais aussi de la notion de zéro déchet. Élodie, pourrais-tu nous en parler un petit peu? Ben justement, pour faire le lien avec ce qu'on dit, donc mettre du respect dans ton bac, c'est aussi en mettre moins, finalement. Parce que moins on va avoir de choses à mettre, moins on va se poser de questions et mieux on va gérer, finalement, ces matières résiduelles. Donc oui, c'est vrai que la réduction à la source est une solution parce que moins on aura de matière à gérer, moins on va émettre d'énergie pour les gérer, etc. Alors, ça peut paraître difficile à faire, mais en fait, quand on dit zéro déchet, personne ne fait zéro déchet là. C'est un mythe ça aussi. Hein. C'est tendre vers le zéro déchet vraiment. Alors ça peut paraître une montagne parce que moi j'ai commencé pareil, j'étais mais comment je vais faire ? J'ai commencé par un geste simple. Quand je vais prendre mon café, je prends une tasse réutilisable. Alors oui, on va parler de la pandémie, mais rassurez-vous, moi j'ai eu l'occasion, c'est sûr qu'au début de la pandémie, on a dit stop et on ne pouvait plus le faire. C'est normal, on ne savait pas gérer le virus, etc. Mais peu à peu, on a trouvé des techniques pour s'adapter. Et maintenant, les cafés, en tout cas, c'est le cas à Montréal, ils acceptent tous les tasses réutilisables. Et surtout, il ne faut pas hésiter à poser la question. C'est la même chose que quand on veut aller consommer son pain dans son sac. Ben, il ne faut pas hésiter à poser la question. Moi, je sais qu'à mes débuts, je n'osais pas trop, je ne savais pas trop, mais qu'est-ce que ça coûte finalement de poser la question ? Donc, c'est ça, c'est quand on se lance dans le zéro déchet, il faut y aller vraiment par étapes. Donc, moi, j'avais cité la tasse de café. Il y a tout simplement avoir une gourde. C'est un geste simple, mais on peut remplir sa gourde à la maison et la transporter où on veut. Il y a bien évidemment les contenants. Et après, quand on va aller plus loin, on peut aller dans une épicerie zéro déchet si on en a à proximité ou une épicerie en vrac. Ça, c'est sûr qu'il faut observer, voir ce qu'on a. On peut aussi se poser la question, si on n'a pas d'épicerie en vrac, acheter peut-être des quantités un peu plus importantes que acheter les mini-dosettes ou les choses comme ça. Ça peut être aussi une solution. Et après, il y a des choses aussi qu'on peut faire soi-même, la réutilisation. Ça, c'est un gros point aussi parce qu'on en voit de plus en plus de ventes de sacs zéro déchet, de pots zéro déchet, etc. Mais pensez à regarder ce que vous avez chez vous d'abord. Ne vous dites pas, il faut que j'ai des accessoires zéro déchet pour me lancer dans le zéro déchet. Non, regardez d'abord ce que vous avez chez vous. Vous n'avez pas besoin de... Vous avez certainement plein de pots en verre. Au lieu de mettre votre pot de sauce tomate dans le bac, regardez-le. Est-ce qu'il est assez gros ? Est-ce que je ne pourrais pas y mettre des choses dedans, finalement ? Est-ce que je ne peux pas le réutiliser ? Ça, c'est une solution aussi. Je suis tellement d'accord. Vous avez pu... Tellement.
C'est parce que l'utilisateur, tu sais, c'est ça qui est le problème avec le zéro déchet, je trouve, c'est qu'au début, on se sentait pas bon. On se sentait pas bon, puis on disait, on n'est pas à la hauteur. Puis moi, j'aime ça, il a dit, quand tu dis tendre vers, parce que c'est des petits changements dans un long temps qui vont avoir un impact, mais il faut se donner le temps. Je comprends qu'il y a une urgence, puis que c'est la panique dans la demeure, là, mais si collectivement, on fait des petits changements, on est capable d'avoir des grands résultats. Fait que félicitations pour ton discours, vraiment, parce que moi, ça me parle. Parce que je suis tannée qu'on se sente coupable. Je suis bien tannée. Non, puis moi, j'ai envie de dire aussi que c'est toujours se poser la question régulièrement, tu sais, une mise à jour. Là. Bon, qu'est-ce que je peux améliorer chez moi? Tu sais, puis souvent, c'est, on stagne, puis c'est en s'entourant de gens comme vous, puis de, autour de nous d'en parler, que là, on fait, ah ben oui, mais ça, j'avais le réflexe de faire ça, je vais le changer et tout. Donc, parce que c'est tout un défi, le zéro déchet, sans blague, parce que ce qui nous est offert et au prix aussi, tu sais, c'est difficile d'y avoir accès comme on veut, quand on veut, au moment où on veut. Donc, il faut un petit peu plus réfléchir quand on fait nos achats. Puis c'est ça, c'est, je pense, un changement à la fois. Puis se remettre souvent en question, ça nous aide. Puis en fait, si on regarde globalement, bien, on va avoir progressé sur plusieurs années, évidemment. Marianne est réapparue. Est-ce qu'il y a quelque chose que... On a-tu des questions? Oui, j'ai une question, mais j'ai tellement envie de plugger le fait qu'on va recevoir Mélissa de la Fontaine avec une conférence zéro déchet, justement, tendre vers le zéro déchet. Tendre vers le zéro déchet, oui. C'est le titre de sa conférence le 17 février prochain, mais là, c'est juste une plug. Mais oui, j'avais une autre question aussi qui était en lien avec les bacs noirs pour les déchets que la Ville de Laval est en train d'implanter sur son territoire et qui vont rentrer en utilisation le 1er avril. C'est quoi les avantages et les inconvénients, selon vous, justement, d'implanter des nouveaux bacs comme ça? Et peut-être, Élodie, là, tu en as peut-être un petit peu entendu plus parler. Est-ce que tu aurais des raisons pour lesquelles on passe au... Sais-tu pourquoi on passe au nouveau bac? Je crois que c'est pour un peu mutualiser la gestion, justement, de la collecte, parce qu'il me semblerait que les camions sont plus adaptés à porter, à transporter, etc. Et puis, l'idée, c'est peut-être aussi qu'il... Alors après, ça, c'est pour le moins le sortir. C'est sûr que la poubelle, ce n'est pas le recyclage. Là, ça peut très vite sentir. Mais il y a peut-être une idée derrière. Et après, pour aller plus loin, il y a peut-être une idée aussi de collecte intelligente qui pourrait se profiler tout en donnant du temps aux gens à s'adapter. À... D'abord, il va falloir voir comment on peut mieux gérer les différents bacs avant de passer à cette étape-là, c'est certain. Parce que je sais que la ville avait publié un sondage sur le sujet, quand elle a parlé du bac noir, elle a publié à travers les réseaux sociaux un sondage dans lequel elle parlait de la collecte intelligente qui peut faire très peur, j'en conviens, parce qu'on parle de payer pour ses déchets, ça peut faire peur. Mais ça peut aussi, il faut regarder combien ça nous coûte actuellement. Ça, souvent, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Mais finalement, on pourrait y gagner. Parce que si on gère mieux ses déchets, on pourrait baisser la facture finalement de chacun. Donc, il y a des choses à se mettre en place. Il y a des villes qui l'ont mis. Ça a été très compliqué, ça n'a pas marché, mais il y a des villes qui l'ont mis et ça a fonctionné. C'est vraiment une approche qui est délicate à mettre en place parce qu'il y a un gros travail de sensibilisation, d'information auprès de tout le monde, auprès de chaque catégorie. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des cas particuliers comme les multilogements. Actuellement, le compost n'y est pas parce que c'est très compliqué. On ne parle pas de juste une maison qui a son petit bac, qui met dans son bac et qui le dépose devant chez eux. On parle de gens qui doivent descendre tous les escaliers, qui doivent trouver le gros bac, etc. Il y a vraiment une adaptation à faire à tous les niveaux. Moi, j'ai fait la tournée dans les écoles pour l'implantation de la collecte du compost. C'est aussi délicat, là. On parle de chaque classe qui doit gérer un petit bac, aller le vider, etc. Donc, mais le point aussi, Élodie, qui est important, tu parles des multilogements. Au niveau de la récupération, les multilogements, le gros défi, c'est que c'est le plus bon dénominateur commun qui gagne, c'est-à-dire c'est le cabochon. Celui qui met n'importe quoi dans son bac, c'est lui qui vient contaminer les efforts des autres. Puis il y a des chicanes épiques auxquelles j'assiste sur les médias sociaux. Les gens me dénoncent l'appartement 3, qui est un mot. Mais ça, c'est l'autre défi. Et au niveau de la puce, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe en ce moment à Gaspésie, mais c'est extrêmement intéressant. Je vous invite à suivre ça. Là, ils commencent ils vont distribuer des amendes aux délinquants et il va y avoir des puces également sur les bacs. Et effectivement, tu l'as dit, ça marche par la campagne de sensibilisation. Et là,
je vais vous imaginer, vais faire une image, c'est la parade. En ce moment, là, on est des spécialistes, là, mettons, là, nous autres ici, là, on est dans la parade, puis on pense tous qu'on est au même niveau. Mais là, parler là, du gars dans l'appartement 3, lui, il est à peu près 2 kilomètres en arrière de nous autres, là, il n'est pas à la même place. Fait que oui, les villes veulent mettre en avant des choses, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas tous au même rythme. Et il faut des fois avancer un peu moins vite pour respecter le rythme des autres qui ne sont pas rendus à la même place que nous. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Parce que moi, j'ai encore du monde qui me disent « Hey, mes vieux jeans, peux-tu les mettre dans le bac de récupération? » Ils ne sont pas à la même place. Lui, il n'est pas à 3 km de la parade. Il est à 20 villes de la parade. Il est bien en arrière. Fait qu'il faut respecter ce rythme-là et travailler sur la sensibilisation. Et c'est ce qui manque au Québec. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation très efficace, mis à part, mets du respect dans ton bac. Mais ce que je veux dire, c'est que... non, mais c'est presque une blague, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 bonnes campagnes de sensibilisation en 30 ans qui ont bien fonctionné. Ce qui est drôle, c'est qu'ils viennent tous de chez Tricentris, mais bon, ça, c'est un hasard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut parler aux citoyens et non pas entre nous en spécialistes, mais vraiment descendre, vraiment essayer d'essayer de ne pas penser qu'on est up, là, mais de ramener ça au plancher des vaches puis de dire... on est-tu au même rythme? Est-ce que contenant emballage imprimé, tu comprends ça? Compost, là, tu comprends que tu ne peux pas mettre une bûche. Ça, c'est clair pour toi. Maintenant, l'idée de putricide, ça te dit quelque chose? Zéro déchet, réduction, tu comprends? Parfait, on va avancer un coup. Es-tu encore à l'aise? Ça va-tu? On va en avancer un autre coup. Et ça, on ne fait pas ça. On dit, oh, on va tout changer. Le monde va s'adapter. Le monde ne va pas s'adapter. Arrête. Ils ne vont pas s'adapter. Ils sortent d'une pandémie. Ils ont une fissure dans le cerveau. Ça ne va pas bien en ce moment. Là, on a des stigmates. Ce n'est pas le temps d'énerver le monde. C'est le temps de les rassurer, puis de les accompagner, puis de les prendre par la main, puis de les écouter. C'est ça qu'il faut faire. Je vais peut-être avoir une dernière question, Jeannie, avant de te laisser la POC. Puis là, c'est le fun parce que c'est une question qui, d'après moi, va pouvoir toucher un peu à tout le monde. C'est les fameuses dosettes unitaires à café. Donc, qui sont très populaires actuellement. Tu sais, par exemple, là, quelqu'un, Gilles, demandait est-ce que Nespresso est un bon joueur à ce niveau-là? Est-ce qu'on devrait ouvrir nos dosettes, composter justement le café qu'il y a dedans? Parce qu'on a vu avec Jean-Michel que ça se composte. Qu'est-ce qu'on fait après ça avec le reste de la dosette? OK, je vais vous répondre facilement. La seule capsule de café recyclable pour vrai et recyclée pour vrai est la Nespresso. Tout le reste est un mensonge. Quand vous avez des rangées complètes de Tim Hortons, McDo, Keurig, Keycup, nommez-les, puis avec un logo recyclage là, dessus, là, retenez bien ce que je vais vous dire, ça s'appelle de l'éco-blanchiment. Si vous prenez votre capsule, vous la videz, elle est en plastique, vous la videz, vous la lavez, vous lui faites faire un tour de lave-vaisselle, vous enlevez l'opercule d'aluminium. Puis là, vous allez avec votre auto, vous allez au centre de tri, vous prenez un ballot, vous ouvrez le ballot, vous mettez la capsule dans le fer, puis là, elle va être recyclée. Si vous la mettez dans votre bac, oubliez ça, ça n'arrivera jamais. C'est trop petit, c'est perdu. La plupart des gens ne la vident même pas. Le café s'en va sur le papier. L'opercule n'est pas vraiment enlevé. Donc, théoriquement, si vous prenez votre capsule de plastique, elle est recyclable, elle est en plastique, recyclable, mais trop petite pour un comportement. Ça, tout le monde le sait. Les fabricants le savent. On a eu des rencontres avec eux. On leur a expliqué, on leur a donné des trucs. Et ils disent, too late, nous autres, notre patente est partie. Donc, la seule qui est recyclable, c'est Nespresso. L'aluminium, c'est recyclé. La marque de café est compostée. Tout est cueilli. On peut la mettre dans le bac. Les résidents de Laval, ils ont le sac Nespresso. Et pourquoi à Montréal ça fonctionne? Aussi. À Montréal aussi. Il y a plein de municipalités. Et pourquoi ça fonctionne avec Nespresso? C'est qu'avant de le mettre en marché, ils sont venus s'asseoir avec les centres de tri. Ils ont dit, comment on peut s'assurer que ça se fasse? Et ça a commencé chez Tricentris encore une maudite fois, si je m'excuse, mais c'est sa réalité. On a travaillé la couleur, la poignée. Est-ce que c'était facile pour un trieur de la ramasser? Est-ce que le sac se fermait bien dans le transport? Tout ça a été développé dans un centre de tri. Puis après, le modèle a été multiplié. Et le succès, il est tempête. Puis en plus, ils ont du café équitable. Et en plus, ils ont du café équitable. Puis je vais aller plus loin que ça. Le café est mesuré en fonction de ce qu'on a vraiment besoin pour son café. Et très souvent, quand on se fait du café, on en fait trop. On en met trop dans notre cafetière. Et vous savez que le café, ça ne vient pas du Québec. Donc, il y a une empreinte environnementale
terrible sur le café. Donc, si je ne fais pas une pub pour Nespresso, je veux juste vous dire que ne croyez pas toujours ce qui est marqué sur la boîte. Si vous voyez un Mobius sur une boîte de café de carton avec des capsules dedans, le Mobius, c'est pour la boîte de carton, c'est pas pour les capsules. Ça, c'est important, ce bout-là. Et moi, je vais juste ajouter qu'il existe des capsules qu'on peut remplir nous-mêmes qui sont réutilisables. Vrai, et vrai. Qui fonctionnent avec n'importe quel marqueur. Faites vos recherches sur Internet, vous allez les trouver. Donc, si vous avez l'envie de vous lancer un petit défi, ça pourrait en être un si vous avez une machine... Excellent point. Moi-même, je pense à m'en acheter, même si je ne bois pas de café. Mais non, mais je trouve que c'est vraiment bon. Et puis là, n'empêche pas l'autre. Vous pouvez avoir les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un jour, vous n'allez pas avoir le temps de remplir votre petite dosette réutilisable que vous utilisez une espresso que vous êtes la pire horreur du monde. Vous pouvez avoir les deux. C'est possible. Tout à fait. Moi, j'aurais envie de poser une question pour terminer notre panel. J'ai envie de vous entendre. Il y a deux sujets qui nous intéressent à Laval en transition. C'est le rôle du citoyen. On en a beaucoup parlé aujourd'hui parce que finalement, ce qu'on fait, c'est un peu d'éducation aux citoyens. Donc, ça, c'est moins à moins que vous ayez quelque chose à rajouter là-dessus. Mais j'aimerais vous entendre parler sur qu'est-ce que vous rêvez pour Laval. Est-ce que vous pensez que notre ville, elle est exemplaire en termes de recyclage? Quels sont nos avantages, recyclage, compost, etc.? Qu'est-ce qui serait prioritaire à faire? Tu sais, rêvons, puis imaginons comment on pourrait améliorer les choses. Puis peut-être que ça va donner des idées aux citoyens qui sont à la maison en ce moment de faire peut-être des actions, mis à part individuelles, mais plus collectives. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier? Bien, je peux me lancer en premier. Ce que j'ai le goût de dire, c'est que Laval, puis ça, c'est ma perception, là, est exceptionnel au niveau des communications. Puis à partir du moment où tu es capable de bien faire passer tes messages, bien, tu peux réaliser les plus grands rêves. Puis je pense que c'est aux citoyens d'imaginer la ville qu'ils ont envie d'avoir. Moi, je viens de Laval. Moi, quand j'étais petit, là, il y avait ce qui s'appelait la fête des voisins, puis il y avait des spectacles, puis des parades, puis toutes sortes de choses. Ça n'existe plus, ça. Mais redonnons la fête. Les fêtes des voisins, ça revient avec Laval en transition. Ça fait partie des trucs qu'on essaie de refaire. Moi, je vais être heureux, je vais être en avant de la parade. Avec vous. mais je crois beaucoup à ça. Et des mouvements citoyens comme vous faites permettent justement aux gens de voir comment ils peuvent poser une action. Parce que Laval a eu une période plus sombre, hein, on peut le dire. L'était pas encore. C'est ça. Il y a une époque plus sombre. Et là, on sent qu'il y a comme un renouveau, puis peut-être redonner la ville aux citoyens pour qu'elle l'imagine comme elle le souhaite et que ce ne soit pas juste un spaghetti d'autoroute et de boulevard avec des commerces bien plats. T'sais, on est capable, je regarde ce qui se fait au niveau du Centropolis, par exemple. Il y a des choses qui se font. Le Centre de la nature, c'est exceptionnel, mais Caroline, on pourrait y donner un petit peu plus d'amour. Il y a des choses qui sont super à Laval, mais moi, je me fierais beaucoup sur l'idée des communications puis d'essayer de... Faire rayonner. Les meilleures idées vont venir des citoyens. T'sais, moi, je suis convaincu parce que c'est là qu'ils habitent. C'est leur ville. Ah, merci, Grégory. Est-ce que Jean-Michel, tu aimerais prendre la parole là-dessus? Oui, je vais y aller un peu dans le même rythme que Grégory. Tu sais, moi, je travaille dans un cégep, je suis en éducation en plus dans recherche. Puis c'est l'éducation, on va dire sensibilisation, éducation, c'est sensiblement les mêmes choses qu'il va y avoir. C'est sensiblement par là que moi, je pense que ça va aller. Grégory disait très bien, il pense que les meilleures idées vont venir des citoyens. Plus on fait de sensibilisation, de communication, d'éducation, et plus on a de gens qui est là-dedans. Puis pas l'éducation un peu comme on l'a fait aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui va où? Non, éducation, que c'est important, qu'on doit le faire, que ça va avoir un impact positif sur notre vie, sur notre environnement, sur la planète en général qu'il va y avoir. Au final, qu'on veuille que ça soit fait, qu'on veuille que ça soit bien fait, quand la majorité des citoyens sont impliqués et veulent que ça se fasse, bien, au final, les entreprises, les politiciens, peu importe c'est qui, ont plus le choix de suivre par ces citoyens-là qu'il va y avoir. Fait que c'est la sensibilisation, l'éducation, oui, pour que ça se fasse bien, mais aussi pour qu'on veuille le faire. Ça, je dis un gros bravo, par contre, à nos plus jeunes, nos générations. Nous avons été une très bonne éducation là-dessus. Là. Il y a des gros mouvements de jeunes qui font « Hey, l'environnement, c'est important. » Souvent, là, ça a été très fun de le voir un peu en 2019. Malheureusement, ça n'a pas continué en 2020 pour d'autres problématiques. Mais ça passe beaucoup par ça. Et un autre truc qu'on a beaucoup parlé durant la pandémie,
écouter la science, ça veut le dire, justement. On a besoin de ces actions-là pour, justement, réduire notre impact environnemental. Ça fait partie d'éduquer, de écouter la science. Ça passe par l'éducation, la sensibilisation aussi. Mais je voudrais rajouter un point. Jean-Thomas, tu m'as allumé sur quelque chose. Jean-Michel, c'est bon. Moi, je t'ai mal à... Tout le monde se fait. C'est qu'on a été beaucoup dans le comment, hein? Les projets, comment on va les faire, comment on va les réaliser, mais on n'a jamais demandé pourquoi. Puis là, je pense que le vrai moteur va venir du pourquoi. Pourquoi on le fait? Bien, parce qu'on veut offrir une meilleure planète à nos enfants. Pourquoi on le fait? Parce que c'est important pour nous de vivre dans un milieu qui nous ressemble. C'est de ramener au pourquoi. Puis ça, c'est les citoyens qui vont le trouver, le pourquoi, grâce à, par exemple, je parle au recyclage, quand tu mets ton carton ou tu mets quelque chose dans le bac, pourquoi tu le fais? Bien, parce que ça donne ça, 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 ça. Pas comment, pourquoi, c'est quoi le sens, c'est quoi la raison de ta motivation? Quand tu veux aller dans le zéro déchet, pourquoi tu le fais? C'est quoi, qu'est-ce qui est intrinsèque à toi? Et ça, c'est un bon moteur. Oh, Jean-Michel, ça l'a relancé. Ben, je sais pas, on a le site où ça va, on pourrait rajouter à côté où ça s'en va après. Ça va où, ça s'en va où après? Ouais, ouais. La suite. Hey, merci beaucoup, Jean-Michel. Élodie, le mot de la fin. Eh ben moi je dirais que on diffuse souvent des images de beaux quartiers modernes avec beaucoup d'espaces verts, avec des personnes âgées mais à la fois des enfants etc qui jouent, et finalement ça c'est un peu l'image qu'on a de ce que nous on appelle les écoquartiers. C'est possible en fait. C'est vrai qu'on a l'image de Laval avec des rues à quatre voies où il y a que on peut que se déplacer en voiture, etc. Mais c'est possible. On peut changer les choses et on peut en fait redessiner finalement la ville comme on l'entend. Et il faut savoir que les citoyens ont ce pouvoir-là. Trop souvent, on se dit c'est pas à nous de faire. Nous, on se limite juste à voter. Mais non, vous avez la possibilité de faire des actions. Et moi, je peux parler en mon nom. Moi, il y a 4 ans, j'aurais jamais pensé fonder une association et créer un festival qui a ramené 7000 personnes autour du zéro déchet. Un mot qui fait peur à la base. Donc, c'est possible. Vous pouvez intéressez-vous, posez-vous des questions. S'il y a un organisme qui vous intéresse, allez faire du bénévolat. Si Laval en transition vous intéresse, allez-y. Et si vous êtes curieux, vous trouvez votre place, votre manière de faire à vous. Et c'est avec nos actions, finalement, qu'on va faire les choses et qu'on va pousser aussi la ville à faire les choses différemment et les entreprises. Comme on le disait, on se pose des questions dans notre bac et il y a des choses qui n'y vont pas. Et bien, c'est à nous, on a un rôle à dire, moi, je ne veux pas de cet emballage-là s'il ne devient rien et s'il finit à l'enfouissement. Mm-hmm. On a vraiment un vrai pouvoir. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Tout à fait. C'est un très beau mot de la fin. C'est déjà tout pour cette activité. Je tiens à vous remercier vraiment. C'est un super beau panel, plein de collaborations. Je vous inviterai à souper n'importe quand pour jaser de la vie. C'est sûr qu'on se fait ça. On a commencé les rêves pour Laval, puis je sens qu'on n'a pas été très loin, mais on aurait pu y aller encore plus loin parce que je pense que vous avez plein d'idées. Vous avez l'air d'être des personnes qui rêvent, qui êtes passionnées. Donc, merci beaucoup. Je vais vous nommer individuellement Jean-Michel Thomas, Collège Montmorency, Grégory Pratt, Tricentris, Élodie Morandini du Conseil régional de l'environnement de Laval. Merci également à vous, chers citoyens, d'avoir pris part à ce panel, que ce soit par votre écoute attentive, vos questions, vos commentaires, vos réflexions. Laval en transition ne pourrait aller de l'avant dans ses nombreux projets sans l'engagement des citoyens et citoyennes, de qui proviennent d'ailleurs plusieurs initiatives. Que ce soit en temps, en partage d'expertise ou monétairement, chaque contribution est vitale pour le développement de notre mouvement. Pour rejoindre la communauté de Lavalois et Lavaloises en transition, pour vous impliquer et pour contribuer, visitez le site lavalentransition.org ou rendez-vous sur Facebook avec le Lavalois en transition. Tous les liens seront collés dans la zone de conversation et vous seront également envoyés avec le sondage pour connaître vos impressions sur cette activité. Sinon, nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines activités, notamment le 11 février à 19h avec la conférence À vos frigos qui nous outillera contre le gaspillage alimentaire. C'est offert gratuitement par le Jour de la Terre. Je vous invite aussi à notre prochaine activité en lien avec la série Mieux consommer des faits transition, le 17 février à 19h, où nous recevrons Mélissa de la Fontaine pour tendre vers le zéro déchet. Donc, bien en lien avec ce qu'on a discuté tout à l'heure.
Aussi, ne manquez pas notre activité participative Remue-Ménage sur le thème de la consommation responsable qui se tiendra le 2 mars à 19h. C'est gratuit. Et à nos activités participatives gratuites les 27 février et 6 mars pour construire ensemble un meilleur avenir à Laval. Les renseignements sont disponibles sur le site défaittransition.ca. Le lien vient d'être ajouté dans le chat. Merci Marianne. Alors, je suis Jeanne Cloutier et je suis vraiment fière d'avoir participé à ce panel et j'espère vous compter parmi nous lors de nos prochaines activités. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.